Salut à tous, comme d'habitude les amis, on n'est pas pressé, on attend que tout le monde se connecte, le temps que les amis retrouvent le lien de connexion. Mettez-moi dans les commentaires les amis si vous m'entendez bien. On attend que tout le monde se connecte, on ne change pas une équipe qui gagne. Salut Alexandre, j'espère que tu vas bien. On t'entend 5 sur 5, nickel. Bon, comme d'habitude, les amis, vous connaissez la règle d'or de la maison, c'est de mettre votre petit like avant de commencer ce live. Donc, commencez à mettre des likes, les amis, très important. Salut Nalina, j'espère que tu vas bien, Nalina. Nalina, alors, est-ce que tu peux me parler d'où tu en es sur tes projets? Est-ce que ça avance au niveau de tes projets? Écris-moi ça dans le chat. Ok, on attend encore quelques minutes, hein, les amis, comme d'habitude, avant de parler une fois plus de choses très intéressantes. Alors, Sébastien qui nous dit, Hello, tu nous parleras fiscalité. Probablement, je ne sais pas, on verra. Sinon, ça en général, je parle fiscalité pour les personnes qui bossent directement avec moi. Mais pourquoi pas vous faire un petit live sur ça. Mais aujourd'hui, vraiment, sur tous les gros sujets de fiscal, quand on veut rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'ai envie de vous dire que c'est la partie où bah, il faut payer tout simplement puisque c'est propre à chacun et en fonction de ce que vous souhaitez vraiment réaliser. Mais voilà, c'est un sujet qu'on pourrait éventuellement aborder. Alors les amis, mettez vos likes avant qu'on ne commence plus sérieusement le live et qu'on rentre dans le vif du sujet. Une fois plus, je vous ai ramené un invité de taille. Donc, je ne vais pas trop vous teaser dessus, puisqu'on va attendre vraiment que tout le monde se connecte. On va attendre encore quelques petites secondes. Et cette personne aujourd'hui va nous parler de colocation. Ok? Elle va nous parler de colocation, elle va nous expliquer un peu son parcours. Donc, vous savez, pour ceux qui me suivent maintenant depuis un petit moment, vous savez que voilà, je suis un fan d'immeubles de rapport. Et ce qui fait. Que j'ai autant on va dire, de sentiments pour les immeubles de rapport, c'est tout simplement parce qu'on peut jumeler plusieurs stratégies et on peut optimiser sa rentabilité en ayant des immeubles de rapport. Salut Miss Imparfaite, salut Daryl, heureux d'être de retour de la part de Daryl. Ben, ça me fait plaisir aussi que tu sois là, Daryl. Ça faisait un petit moment qu'on t'avait perdu de vue, j'espère que c'est pour les bonnes raisons, c'est parce que tu es en train de bosser très dur. Alors, Nalina qui dit, j'ai visité trois immeubles en Guadeloupe, il y a toujours un truc qui a coincé, aménagement et agencement qui fait chuter la renta, j'ai acheté les pièces que tu as conseillées et je me forme sur la fiscale. Ok, bah c'est nickel Nalina, c'est très très bien. Les pièces d'or, ouais, j'avais compris, donc tu as investi aussi sur l'or. Salut Tony, j'espère que tu vas bien. Tony qui est dans la team. Tony, t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié, je pense à toi. On va travailler sur tout ça aussi. Donc les amis, ça y est, c'est parti, on va commencer. Et je vais faire intervenir mon invité et qui nous parlera tout simplement de colocation. Salut Audrey, comment ça va Audrey? Coucou Xavier, je vais bien et toi? Bah écoute, moi ça me fait plaisir en tout cas une fois de plus que je puisse partager mes contacts avec la communauté. Et voilà, toi ça fait longtemps que tu es sur le terrain. La colocation, c'est on va dire, c'est ce que ça représente pour moi en termes d'immeuble de rapport. Donc voilà, en tout cas merci à toi d'être présente ce soir. Ça me fait plaisir, c'est comme si on était à côté. C'est Donc ça. toi, t'es en Guadeloupe, donc t'es au soleil. C'est ça. Bon, vous Il avez est du soleil 14 heures. aussi, apparemment.
Comment ? Vous avez du soleil aussi, apparemment. J'ai du soleil, ouais, j'ai du soleil. Mais bon, quand même, je suis moins bronzée que toi. Ouais, vous n'avez pas la plage, on va dire ça. C'est vrai. Alors, petit bonsoir de Cindy. Salut Cindy, j'espère que tu vas bien aussi. Alors, on va commencer, Audrey. Donc, voilà le principe du Money Live Show, je te l'avais déjà expliqué. Donc, je vais te demander de te présenter pour la communauté, les gens qui ne te connaissent pas. Qui tu es tout simplement, et ensuite je te poserai de nouvelles questions parce que je sais que tu ne voudras pas tout dévoiler comme ça, donc je vais creuser. Tu crois? Oui, donc effectivement, donc je m'appelle Audrey Perrin. Je possède plusieurs. Je suis entrepreneur, je suis possesseuse. J'ai envie de dire ça, de plusieurs biens qui travaillent pour moi. Ça, c'est juste top et j'expliquerai pourquoi. Et je possède actuellement, alors ça, c'est un secret, hein, tu dis à personne, 29 sources de revenus différentes pour l'instant. Et sachant que les colocations n'en sont qu'une seule. J'ai quitté mon job de stimulé fonctionnaire il y a maintenant, ça va faire 2 ans. Non, sans la pression familiale. J'investis principalement en France métropolitaine. Là, j'ai des plans notamment sur l'Irlande. Alors, je pourrais t'expliquer pourquoi, et possiblement aussi sur l'Espagne. Voilà. Et ça fait combien de temps qu'on se connaît? Je sais pas, ça doit faire, 5, 6 ans, 7 ans. Au moins tout ça. Et moi, mon dada, c'est vraiment la colocation sous toutes ses formes. Je sais pas si vous avez du temps, mais clairement, il faudra m'arrêter parce que clairement, je sais pas si je vais tout vous dire, mais j'attends tes questions. Aujourd'hui, notamment par rapport à la colocation et à l'immobilier de manière plus générale, ça me permet de vivre, ça me permet de manger, mais aussi ça m'a permis de faire ce que je pensais qu'il n'était pas possible, de voyager, de faire plaisir à mes proches et surtout de m'occuper de mes proches. Alors, je vais faire une parenthèse. Il y a quelques temps, alors, c'est pas du tout, voilà, tu vas comprendre, il y a quelques temps, ma maman s'est fait renverser par une voiture, elle était sur le passage piéton. Là, elle est toujours à l'hôpital. Et en fait, mon papa a décidé d'acheter un ascenseur dans la maison. Un ascenseur qui va du premier au deuxième parce qu'elle ne peut pas marcher. Ma maman, elle s'est cassé le bassin, elle a 79 ans. Et en fait, ce n'était même pas une question. Donc, l'ascenseur coûte 16 000 euros. Je me suis dit, OK, c'est combien? Ça, c'est l'immobilier. Ça, c'est la colocation. Ça, c'est quelque part ce pourquoi j'ai travaillé. Je ne savais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est pour juste avoir à choisir entre cet ascenseur ou celui-ci. Point. C'est une évidence. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ça. Et sinon, je suis du groupe sanguin B positif. Et... non, c'est très, très important ce que tu viens de dire, Audrey. Je ne pensais pas qu'on allait commencer aussi fort, mais ça, c'est très, très important. Pourquoi c'est important? Parce que aujourd'hui, on a tendance à souvent laisser croire que l'argent, c'est mal, l'argent, c'est sale, on veut toujours plus d'argent, etc. Mais en réalité, tu as parlé de quelque chose qui est assez touchant, ta mère qui a fait un accident. Et c'est vrai que quand on est dans une position comme ça, on a envie de donner le meilleur de soi-même pour aider les personnes qui comptent le plus au monde pour nous. Et si tu es... Il n'y a même pas de question. Les priorités ont changé. Et concrètement, si je n'avais pas mon immobilier qui travaillait pour moi, si je n'avais pas l'argent, s'il n'y avait pas tout ça, je n'aurais pas pu passer mon temps à m'occuper des papiers, à faire tout ça, à demander aussi mon papa qui est complètement perdu, etc., etc., parce que c'est pas lui qui s'occupait des papiers. Ça, c'est ça aussi. Et du coup, il y a des personnes qui hésitent à acheter l'immobilier, voire à investir dans l'immobilier. Toi et moi, on investit dans l'immobilier, mais parce que leur pourquoi n'est pas assez fort. Alors, peu importe, les accidents de la vie, il y en aura tout le temps. Le meilleur moment, c'est maintenant. Ça ne sera pas demain, ça ne sera pas après-demain, c'est aujourd'hui, parce qu'il faut que les gens le décident. Et quand ils l'ont décidé, au début, c'est vraiment ce que disait Cédric, il disait au début, ça fait rire, dire ça fait rire, et faire ça fait taire. Mais c'est clairement ça. Après, ils vont me demander comment tu as fait. Au début, ils vont se moquer, ils vont dire, mais non, c'est pas pour nous, blablabla, parce que c'est leur impossible. Et après,
Ils vont dire, mais au fait, tu peux m'aider sur ce truc-là? S'il te plaît, comment tu fais par rapport à ça, ça, ça? Ça, c'est du vrai, c'est du concret. On n'est pas des mauvaises personnes. Ça nous sert aussi à faire le bien ou le mal, ça dépend. Mais ça nous sert à acheter du temps et de la liberté. Et le choix, surtout. Bien sûr. Voilà. Non, c'est super puissant ce que tu dis. Ça me rappelle une citation que j'ai vue passer il n'y a pas longtemps qui disait « L'argent ne fait pas le bonheur, mais la pauvreté non plus. » Ouais, mais n'empêche que l'argent, pour moi, j'ajouterais, l'argent offre le choix. Alors après, je ne sais pas, je pourrais en discuter. Alors, comment dirais-je ? Le parcours, pour revenir à ma présentation et après je te laisserai passer dessus. Pourquoi est-ce que j'ai investi dans l'immobilier ? Pourquoi déjà j'ai acheté l'immobilier sans gagner de l'argent ? J'avais acheté l'immobilier parce que je voulais avoir un truc à moi. Parce qu'on m'avait dit, et un CDI, et achète un petit truc à moi. J'ai jamais, je vis assez chichement, enfin je peux me contenter de peu. On m'a appris ça, ma maman était couturière, mon papa ouvrier d'État, donc entre guillemets, on ne mangeait pas de la viande tous les jours. C'est assez difficile ça mentalement, donc après, heureusement qu'il y a le développement personnel, etc. Et après, j'ai essayé d'être la meilleure dans mon job. Okay. Le problème, c'est que je suis presque devenue la meilleure. Et du coup, quand t'es la meilleure, on me l'a reproché quand je suis partie. On m'a dit, mais Audrey, mais c'est logique qu'on ne veuille pas te laisser partir. Ah bon, bah pourquoi ? Bah parce que du coup, tu remplaces deux personnes. C'est-à-dire que en tant que chef d'entreprise, il faudrait qu'on mette deux personnes à ta place. Elle dit, bah forcément qu'on ne va pas te laisser partir et qu'on ne peut pas te faire évoluer sur un autre poste. Je dis, mais ouais, mais je suis con. Et en fait, en tant que femme, au-delà de ça, c'est pas la question homme-femme ou tout ça, mais un peu quand même, je me suis aperçue que j'en avais marre de n'être cantonnée qu'à des trucs, qu'à des trucs de merde sans avoir spécialement le choix. Les femmes, on gagne toujours beaucoup moins que les hommes. C'est normal. Les hommes sont possiblement ingénieurs, etc. La femme peut être aussi, entre guillemets, ingénieure dans cet exemple-là, mais c'est normal, dans la normalité, qu'elle gagne un petit peu moins. Et je me suis dit, mais pourquoi ? Elles vont s'investir vachement plus à la maison, souvent elles en font plus, mais les hommes maintenant en font aussi beaucoup. Mais je me suis dit, mais merde, je vois pas pourquoi je gagnerais moins. Et en fait, l'immobilier, ça m'a permis, eh bien, d'avoir le choix, c'est moi qui décidais. Donc j'ai dit, la chambre est à 500 euros. Que je sois petite, grande, grosse, moche, handicapée, personne de couleur, etc. J'ai décidé que la chambre était à 500 euros. Je mets tout ce qu'il faut pour qu'elle vaille beaucoup plus que 500 euros. Point. Et du coup, ça m'a permis de gagner vachement plus que mon salaire et de décider et d'avoir le choix. Le choix de quitter mon job ou le choix d'aller voir mes parents ou le choix de faire ça. C'est un luxe suprême. Pour moi. Et c'est ce que vraiment, c'est ce choix-là que j'encourage, que j'invite les personnes à réfléchir sur cette notion de choix. On dit des fois, j'ai pas le choix. Mais si t'avais le choix, si t'avais les 2000 euros ce que tu as en salaire, si tu les avais issus de l'immobilier, clairement, est-ce que tu retournerais à ton job ? Ben non, je ferais de la peinture. C'est plus pareil parce que les gens ne se sont pas posé la question. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, c'est tout ça. Et du coup, je te laisse passer, mais c'est cette notion de luxe et de choix qui, pour moi, c'est hyper important. Et je terminerai en disant, j'ai décidé d'être heureuse parce que c'est bon pour la santé. Parce que clairement, à la fin, mon job, ça devenait une torture. Les mêmes conversations, les mêmes cancans, c'était un job. Voilà, j'étais assimilée fonctionnaire. Un bureau de filles aussi, donc avec des histoires, avec de la jalousie, avec des choses. Je me suis dit, mais je n'ai pas choisi ces personnes-là. Du coup, je vais choisir les gens avec qui j'ai envie de travailler. Et de ce fait, j'ai moins mal au cœur, j'ai plus la boule au ventre. Ça dépend des fois, c'est pas tout rose non plus, mais je leur dis, mais si vous n'êtes pas content, allez voir ailleurs parce que j'ai le choix. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça en fait le truc. C'est tout ça en fait. Alors, je vais déjà lire un peu les petits commentaires qu'on a. Salut Anaïs, j'espère que tu vas bien. Salut Joël. Alors, Tony qui dit, on m'a dit la même chose en tant que fonctionnaire, tu travailles trop bien pour te laisser partir ou te payer une formation. Ah, voilà. Et bien, justement, moi j'ai plein de solutions, encore plus pour les fonctionnaires.
Mais moi, je trouve ça hallucinant. Quand tu poses le truc, on te dit, t'es fonctionnaire. Donc, qui dit fonctionnaire dit qu'on a voulu choisir d'être fonctionnaire, entre guillemets. Donc, on veut la sécurité de l'emploi. Donc, on veut avoir son salaire tous les 25 du mois, les 10 du mois. Et on se dit, OK, j'ai 1500 qui tombent, mes 2000, et je suis tranquille, je peux faire ma vie, je peux acheter ma maison, avoir mon chien, etc. OK. Et mes vacances, mes 3 semaines en août, et ma semaine de Noël, et ma semaine en février, pour partir au ski. Ça, c'est la vie. Mais en vrai, est-ce que ça fait vibrer? Est-ce que tous les jours ça fait vibrer? On va dire non, mais j'ai pas le choix. J'ai fait ce pourquoi on m'a formé. J'ai fait pour ne pas. J'ai fait ce choix-là pour ne pas décevoir mes parents, parce que c'était la crise hein, quand je suis partie 15 ans pour fonctionnariat. Mais t'imagines, mes parents, mon frère travaille aux impôts. Moi, je travaillais à la CAF. Donc imagine le mode sécuritaire de fou. Et je me suis dit, mais en vrai, je ne peux plus, je vomissais, je ne pouvais plus, 15 ans, on a fait le tour. Et de ce fait, eh bien je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut, sous couvert d'un contrat de travail, sous couvert de ça, on peut décider pour quelqu'un de combien il va gagner. Est-ce qu'on a le droit quand même d'avoir des revenus autres, de faire des e-books, de créer des formations, des chaînes YouTube? Et la personne va dire, oh bah non, tu peux pas, t'es fonctionnaire. Mais d'où tu diriges ma vie, en fait? Qui es-tu? Tu n'es pas mes parents, tu n'es pas... Enfin, voyez-vous, moi, je trouve ça hallucinant sur les contrats de travail qui appauvrissent littéralement la personne. On n'a pas le choix. Il y a des gens qui vont faire du travail au noir parce que moi, j'ai des amis qui travaillent, qui font du travail au noir parce que le travail qu'elles voudraient faire déclarer n'est pas autorisé dans le contrat de travail. Wow. Mais tu t'es sérieusement? Et on n'est pas, enfin, on n'était pas super bien payé. Hein. Enfin, clairement, quand tu as une maison, des enfants, des choses comme ça, c'est compliqué quand même. Et il y a des gens qui veulent travailler mais qui n'ont pas le droit. J'hallucine. Donc le fait d'être fonctionnaire, on pourra en discuter, mais il existe des moyens de. Voilà. Et ouais. Alors, il y a Thomas qui dit, hello, ça fait combien de temps que tu n'es plus salarié? Tu as mis combien de temps pour y arriver? Alors, combien de temps officiellement je ne suis plus salariée? Alors, officiellement, ça fait 2 ans, mais officieusement, ça fait 3 ans. C'est-à-dire que sur ma dernière année, j'ai pris, alors ça s'appelle une année sabbatique, mais c'était 11 mois sabbatique. Donc, et là, c'est là où j'ai acheté mes derniers biens, parce que ça, c'est un site. C'est-à-dire qu'en année sabbatique, c'est-à-dire que tu es toujours titulaire de ton contrat de travail, mais tu n'as plus de salaire. Et du coup, mais tu as du temps pour chercher des bonnes affaires. Parce que tout le monde est au travail. Donc toi, tu dis, ah oui, je vais te visiter, je vous fais une proposition. Et quand tu vas à la banque, la personne dit, ah bah c'est super, mais vous n'avez plus de salaire. Et là, tu dis, oui, mais monsieur ou madame, je ne suis ni au chômage, je suis toujours en CDI, donc si je veux, je peux reprendre demain. Donc vous devez fictivement me reconstituer mes anciens salaires. Ah bon? Eh bah oui. Et donc, tu as du temps, tu peux faire tes premiers sur tes trucs et tout. Et après, je me suis dit, est-ce que mes revenus immobilier, du blog et tout ça, me suffisent pour vivre. Sans salaire, là, c'était zéro. Je me suis dit, ouais, est-ce que tu es heureuse? Oh, ouais. Et après, j'ai fait le choix de faire une demande de rupture conventionnelle qui a été refusée. Et j'ai dit, vous savez quoi? Et j'ai adoré quand la sous-directrice m'a dit, mais Audrey, mais je t'attends lundi au travail. Alors, je l'ai revoyée, j'ai dit, bah non. Elle m'a dit, mais t'as pas le choix. J'ai dit, mais en fait, si, j'ai le choix. Et là, ça a été, je me suis dit, j'ai dit oui à ma super big boss de la mort qui tue. J'ai dit, mais en fait, mais t'as cru quoi? J'ai le choix. Je gagne vachement plus avec mes apparts que le salaire. Bon, après, mentalement, c'est encore différent parce que après 15 ans, enfin, plus de 20 ans de salariat, mais 15 ans de CAF, mentalement, mes parents, la pression familiale et tout. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous rend heureux? Alors, c'est ça le truc. Je vais te couper. Moi, je connais ton histoire parce que ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant. Mm-hmm. Et je sais qu'en fait, tu es salarié depuis plus longtemps que ça en réalité. Et je me souviens quand on se voyait, tu allais travailler alors que tu n'avais pas besoin d'aller bosser. Et je crois que ça, c'est la partie la plus difficile pour toi. Ah ouais, mais mentalement. Avec les habitudes, c'est très bête, hein. Mais prendre le bus avec les mêmes gens à qui tu dis bonjour, tu sais pas, les mêmes horaires de café, les mêmes blagues, ah tes enfants, ah nanana,
L'église a un truc, mais c'est rassurant en fait. Limite, tu dis ah chouette, si le feu passe au vert, j'aurai une bonne journée. Enfin, des trucs idiots. Ou tiens, je vais aller manger là, tiens, on se retrouve là. Parce que tu fais partie du moule et tu t'es construit aussi un réseau d'amis, un réseau de collègues, un réseau d'habitudes. C'est vachement dur après de dire mais en fait, ciao, je pense à moi et je suis super heureuse en fait. Et on se voit, ah mince, vous travaillez. Pardon, bon, on se voit quand vous voulez en fait. J'adore dire, même à des agents immobiliers qui me disent vous êtes dispo quand ? Ben maintenant, quand vous voulez. Ah bon, mais au niveau des finances, mais c'est nickel. Mais c'est un truc de fou. Mais j'avais peur et j'ai encore peur des fois parce que mes vieux démons de salariat reviennent aussi. On m'a formé pour ça aussi. Oui, c'est ça. On était conditionnés pour ça. Alors, on va revenir un petit peu sur l'histoire du début puisque je la connais, elle est assez atypique. Ah! Et ça, c'est ce qui va être intéressant, puisque est-ce que, alors dans les commentaires, les amis, dites-moi comment vous pensez qu'Audrey a pu acheter son premier bien immobilier. Les deux. Alors dites-moi dans les commentaires est-ce que vous avez une idée, comment elle a fait pour financer ses biens immobiliers. Parce que c'est ça, quand tu m'avais dit ça, j'avais pris une... Et mes études. Et tes études en plus. Mes études, ouais. J'avais pris une vraie claque et je me suis dit... Vas-y, la personne qui trouve, si elle ne me connaît pas, elle va dire « Oh non !» C'est pas possible. Ouais. Dites-moi comment vous pensez qu'elle a pu financer... Voilà, dites-moi tout ça. Crédit conso. Next. Non. Des économies, une grande tante riche. Next, ouais. Un truc fun, quand même. Ensuite, ayez un petit peu d'imagination, les amis, parce que ce qu'elle va vous dire, ça va vous choquer, je vous le dis tout de suite. En tout cas, moi, ça ne me choque pas, mais tous les gens, ils sont choqués. Alors, Anthony, qui dit prêt étudiant. Non. Ok, je ne pense pas qu'on va trouver. Un héritage d'un voisin. Non. Ok, non. Alors, est-ce que tu peux tout simplement dire, parce que je sais qu'ils ne vont pas trouver, un bon coup dans le viager. Ça a été mon deuxième investissement, mais c'est pas vraiment du viager, mais oui. Alors, attention, je me suis payé mes études de BTS. Je dis tout ou je dis pas tout ? Allez, c'est parti. Donc, je me suis payé mes études de BTS et mes autres études. C'est quelque chose que je fais depuis l'âge de 16 ans. Je pense que j'aurais des choses à vous montrer. Depuis l'âge de 16 ans. Putain, faut pas que je vous montre le boxon à la maison. Mais oui. Donc, c'est quelque chose que je fais depuis l'âge de 16 ans qui m'a permis de donner beaucoup de plaisir et de faire vivre des expériences de malade mentale à des gens que j'aime par-dessus tout. Mes parents, mes amis. C'est juste du bonheur, en fait. Enfin, vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'est. Donc, ça m'a aidé à financer mes études de BTS, mes études tout court, et aussi à acheter mes deux premiers appartements, cash, le premier pour moitié, voilà, et le deuxième cash, c'est que j'ai joué aux jeux radio. Alors, les jeux radio, c'est quand vous appelez, par exemple, sur Energy, Chérie FM, Rire et Chanson, vous gagnez des gains, ou de l'argent, ou des séjours. Il y a une année, j'ai gagné pour 20 000 euros de gains, à peu près. Enfin, un petit peu plus, mais voilà. Je me suis arrêtée à un chiffre rond, 20 000. Parce que j'ai gagné 4 croisières. Elles étaient à 7 000 euros. Je les ai revendues parce qu'à l'époque, je pouvais, etc. Et donc, ça m'a financé mes années, en l'occurrence, de BTS, qui étaient à 7 000 euros l'année. Donc, et mes années de scolarité, plus les à côté, le transport, plus tout ce qui est nourriture, plus toutes mes sorties, et tout, en donnant un coup de fil. En l'occurrence, deux ou trois, mais un coup de fil pour avoir ce gain-là. Et je meuble mes appartements avec les gains des jeux radio. Si je vous montre, je ne sais pas si je peux pas... Mais alors, par exemple, ça, c'est un Samsung qui a deux SIM que j'ai gagné. L'ordinateur que j'utilise, j'ai gagné. Là, le casque que j'ai, c'est un... Bon, après, c'est un casque Bose. Mais bon, peu importe, on peut faire du silence, j'ai gagné.
Après, si j'ai fait le tour de la maison, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'était pas prévu, mais vous allez me dire, mon Dieu. Voilà. Alors, j'ai ici, bon, alors, cet ordinateur. Oui, alors, ne faites pas attention au boxon, hein, parce que là, je déménage. Donc, la télé qui est ici, je sais pas si vous la voyez. Ouais. Ouais. Celle qui est ici, avec la barre de son en bas. Ah, ça c'est bien, ça c'est un très très beau truc. La clim qui est ici, je sais pas si vous l'avez mis aussi. Ouais, la clim. Après, oula, oui, ça ça va vous plaire. Moi, ça, moi j'aime beaucoup les jeux, j'aime beaucoup aussi redonner. Bon, ça c'est une de mes cavernes d'Alibaba. Okay. Donc il y a plein de jeux pour faire plaisir à tout le monde. J'ai gagné aussi des scanners, des imprimantes, des choses comme ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Et j'ai beaucoup de box comme ça. D'accord. Énormément. Okay. Celle-ci, je ne sais pas combien elle vaut. Je ne sais rien. J'en ai beaucoup. Toutes les consoles de jeux. Il y en a beaucoup. Toutes, en fait. Je les ai toutes. Même des consoles qui sont collector. J'ai gagné Central Vapeur. Qui est. Enfin, je ne vais pas forcément tout montrer, mais. Voilà, enfin, c'est un truc Philips, je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Plus tout ce que j'ai là dans tous mes bordels de casier. Ça, c'est un exemple. Je ne vous ai pas montré la cuisine. on va faire. Voilà. Donc, j'en ai de partout. Ça, tout ce qui est appareil électroménager, attention, c'est du boxon. Et puis, je meuble mes appartements avec ça. Voilà, alors je ne vous ai pas tout montré. C'est bon, c'est normal. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, mais j'aime bien. En gros, tu as financé, alors, à l'époque, tu n'avais peut-être pas la même formation, donc tu as payé cash, mais tu as financé avec le jeu concours tes deux premiers appartements. Mes études et mes deux premiers appartements. Ça m'a aidé en fait. C'est-à-dire que tout ce qui était les CD, les DVD, j'ai eu tous les autoradios. Ça, c'est hyper c'était hyper revendable. Toutes les avant-premières, tous les restos. Il n'y avait pas une semaine où je ne recevais pas des recommandés pour avoir des cadeaux, des liens. Des invitations à des restos, des chez coiffeurs, des massages, parce que moi ça me plaît beaucoup, des trucs de malade. Mais au-delà de ça, ça m'a permis de le transformer en argent, et l'argent que j'avais, de le garder sur mes comptes. Donc, ça veut dire qu'au niveau financier, la banque me disait, bon, oh là, vous ne dépensez rien. Bah non, j'avais rien à dépenser, parce qu'il suffisait que je gagne un CD qui était à l'époque par exemple à 15 euros, je revendais 7-8 euros, alors ça c'est pour un petit truc. Du coup, voilà, j'avais 10 euros pour faire mon resto, ma place de ciné, peu importe. Et puis maintenant, clairement, je ne peux pas acheter de téléphone. Ça fait, là, tu vois, l'année dernière, j'ai gagné les trois derniers iPhone, ils étaient sous blister. Après, je ne dirais pas c'est dans le pays. Mais, c'est ça. Enfin, là, je t'ai montré la télé. Il faut que j'achète un appart. La télé, j'ai pas encore l'appart. Alors, moi, j'ai une question, à mon avis, que tout le monde doit se poser. Comment tu fais pour gagner autant? Je sais que tout le monde se pose cette question. Je te l'avais déjà posée. C'est pas spécialement pour gagner autant, c'est en termes de valeur. C'est-à-dire que je vais passer autant de temps à l'antenne pour gagner une batterie que pour gagner, bon après ça dépend du prix de la batterie, une place de ciné que pour gagner une croisière à 7000. C'est juste que je vais trouver de quoi j'ai besoin. Donc là, en l'occurrence, tu vois, là, j'ai une très grande télé. Faut que je la mette dans un appart. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que je prenne un appart qui a un salon. Bref, parce que j'ai envie de la mettre là, et voilà. Et du coup, je me dis, je vais passer autant de temps. Donc, je vais me concentrer sur les radios que j'ai l'habitude d'écouter, parce que du coup, ça met plus en joie. Moi, j'aime bien le groupe Énergie, donc Chérie FM, tout ce qui est rire et chanson, tout ça. Parce qu'en fait, ils ont les mêmes centrales de cadeaux. Donc, des fois, j'ai gagné plusieurs télés venant du même groupe. Par exemple, à 7h, alors 7h010, je jouais sur Énergie.
À 8h, je jouais sur Nostalgie. Et à 9h, je jouais sur Chérie FM. Donc, je pouvais remporter, par exemple, 3 télés. J'aurais eu quasiment 3 formats différents. D'accord. Ou 3 cadeaux différents, même si c'était le même groupe, mais les cadeaux sont différents. Et ça ne m'a pas pris plus de temps. C'est juste que j'ai travaillé avant 2-3 jours pour savoir quels étaient les horaires, quelles étaient les questions, et pour accéder au standard. Ouais. Et puis après, bah, soit je gagne, soit je perds. Mais clairement, si vous avez déjà écouté vraiment la radio, les questions sont hyper faciles et je ne suis carrément pas bonne sur les questions de chansons. Ce sont des questions, ça va être qui a tué le cheval blanc d'Henri IV. Enfin, si tu te dis, mais voilà, qui est l'actuel président de la France? Ah bon, François Hollande, bah non, perdu, c'est Macron. Enfin voilà, ça va être sur des questions comme ça pour que les gens puissent, parce que lorsque les radios font des jeux, organisent des jeux, c'est là où elles gagnent énormément d'argent, parce que les numéros sont surtaxés. Mais moi, je fais en sorte qu'ils ne soient pas surtaxés et qu'ils rentrent dans mon forfait, qui est un forfait tout à fait normal, qui peut être un forfait free, un forfait peu importe, mais je sais quels sont les numéros à appeler pour qu'ils ne soient pas surtaxés. Donc, ça n'est pas en plus. Et c'est différent des jeux taper 1, taper 2 par SMS, des jeux télé. Ça, je ne sais pas faire. Moi, c'est juste les jeux radio. C'est-à-dire que des fois, j'allais au travail, dans ma voiture, j'appelais. Il y avait des collègues qui m'écoutaient, qui m'entendaient et qui me disaient « Oh, t'as pas gagné ou t'as gagné ?» Bah ouais. Sincèrement, en 5 minutes, c'était négocié. Je n'étais même pas arrivée d'un feu 1 à un feu 2 que je savais si j'avais gagné ou pas. Point. Et je n'appelle pas tous les jours. J'appelle en fonction de la valeur du gain. Parce qu'après, il y a une période sur laquelle, ça dépend des radios, si ce sont les radios nationales, style énergie, tout ça, ou si ce sont des radios locales, où il n'y a pas de période où tu ne peux pas rejouer. Mais pour les radios nationales, je les adore parce que c'est celles qui m'ont offert les plus gros gains. Et ensuite, les petites radios, les radios locales que j'aime bien, ça va être chez le coiffeur, aller dans un truc de piscine, aller voir les joueurs de foot ou les trucs comme ça. Mais ça me permet clairement d'avoir une vie de princesse, quoi. Enfin, j'adore. Enfin, c'est ce que je n'aurais jamais pu me payer avec mon salaire. C'est pas possible. Et au-delà de ça, ça m'a surtout permis de forcer notamment mes parents à partir en vacances quand je leur gagnais une croisière à 7000. Je ne peux pas y aller, bon, ça ne m'intéresse pas, la croisière. Ah, ben, il va falloir y aller, sinon c'est perdu. Ah, ben, on va y aller alors. Ah, ben, c'est dommage. Et ils le prennent plus volontiers parce que je n'ai pas acheté la croisière. Donc, c'est pas garde donc tes sous, en fait. C'est comme ça qu'ils me parlent. Et moi, ça me fait super plaisir. Donc, du coup, tu vois, là, j'avais besoin d'une clim. J'ai gagné une clim. Et du coup, c'est comme si je l'avais acheté. Tu vois, c'est cool. Voilà. Donc ça, c'est ce que je veux vous montrer, c'est que je n'ai pas fait de mal à des gens. J'ai trouvé ça amusant. J'ai trouvé des moyens de. C'est pas une question de. Je vous dis pas à tous de faire des jeux radio. Faites-le. Bien sûr. J'ai fait. Tout le monde me demande. Donc j'en ai fait une méthode. Ce n'est pas la question. Mais ça apporte de la joie. C'est-à-dire que tout le monde aime gagner. Et au-delà de ça, c'est juste de trouver un moyen. C'est un truc atypique. Pour moi, qui a fonctionné, c'est dans mon ADN, je ne sais pas comment on dit, et j'ai vu que ça fonctionnait, je me suis dit, mais la question est débile par rapport au cadeau, mais j'ai une blague. Et après, je me suis mis en mode, ah ouais, je me suis dit, ah ouais, et c'est génial en fait. Mais, voilà, et ça m'a permis surtout de mettre dans des biens qui après j'ai pu exploiter en colocation, et là, le regard du banquier a changé. D'accord. Et là, il m'a dit « Ah ouais okay. !» Parce qu'au début, il ne voulait pas me prêter. Okay. C'est tout ça, en fait. C'est ça, il ne voulait pas te prêter. Du coup, tu as trouvé une technique pour pouvoir acheter sans passer par la banque. Au début, c'était un plaisir. Et après, c'était devenu une technique parce que les gens m'ont dit « Ah tiens, tu fais ça. » Bah ouais, mais c'est logique, en fait. Je fais juste ça pour avoir ça. Parce que, il y a des choses qu'on pourra... Enfin, voilà, c'est... J'ai vécu des moments avec ma meilleure amie, j'ai rencontré mes idoles de fou. Enfin, j'ai vraiment. Enfin, je me suis dit, je veux continuer à avoir cette vie de princesse. Sans être une princesse tous les jours. Mais enfin, après, peut-être pour les gens qui sont de ma génération, j'ai rencontré mon idole suprême, qui était Whitney Houston. Je l'ai vue en vrai. Et j'étais avec elle en after. Je parle pas un mot d'anglais, je suis. Mais ça restera, mais gravé. C'est. Enfin, c'est
Enfin, c'est inestimable pour moi. Enfin, voilà, il y avait, ben après, pour ceux qui connaissent, il y avait Eminem, il y avait Pink, il y avait Kylie Minogue, il y avait Mariah Carey, il y avait Puff Daddy, il y avait, enfin, voilà, des personnes. J'étais à Barcelone, c'était une vie de princesse. Et je me suis dit, j'ai eu ça, donc je voulais encore, parce que j'ai eu une fois. Je me suis dit, ah ouais, donc comment je peux faire pour tout le temps l'avoir? J'ai pas fait de mal à des gens, je suis pas devenue une requine, je n'ai écrasé personne, et c'était possible. Et je l'ai vu, je l'ai touché, j'étais avec ma meilleure amie, on a des photos, enfin, j'en ai plein le cœur, plein la tête, et je me suis dit, je veux encore ça, j'en veux encore. C'est une drogue en fait, mais pas les jeux radio, mais ce que ça permet d'avoir. Bien sûr. Et puis la qualité de comment les gens te parlent. Ouais, quoi, ils ne savent pas s'il a payé ou pas. Ouais. Et je me dis, je veux toujours avoir. Pas forcément. Comment ? Être bien traité, tout simplement. Être bien traité, mais avoir accès à des personnes qui ont. Pas dans ce cas-là, mais des cultures, avoir accès peut-être à des meilleurs hôtels, rencontrer des gens qui sont chefs d'entreprise pour qu'on puisse avoir une discussion. Parce que. On ne fait partie que des 3%. Le gros de la masse sur la courbe de Gauss, ce sont des gens qui ne sont pas capables et surtout ne souhaitent pas faire d'efforts. Toi et moi, on sait que l'immobilier, on est, pendant qu'il y avait des gens qui étaient sur les barbecues, nous, on est en train de cravacher, on a fait des travaux, on a fait des noms, il y a tout ça, bien sûr, et on sait pourquoi on l'a fait. Pour soi et surtout pour ceux qu'on aime. Non, c'est vrai. Et c'est vrai que maintenant, alors... Et c'est ce que je dis, et parfois je l'ai souvent dit, je suis désolé si parfois je peux vous donner l'impression que c'est facile, okay, que j'ai pas beaucoup bossé. Et si c'est le cas, je m'en excuse. Il m'a fait savoir qu'il faut bosser pour arriver à un certain niveau de tranquillité. Okay, on parle même pas de cash, mais c'est un niveau de tranquillité. Et, c'est pas venu comme ça. Hein. C'est ça. Et on a tous bossé. On se tapait des week-ends à des films, mais après ce qui est bien, c'est que moi je sais pas si toi ça te fait, moi je l'écoute pas bien des fois, je me dis ah ce locataire il m'a saoulé, là j'ai une dame, la demoiselle s'est assise, enfin j'ai refait un appart à neuf, et ça c'est pas une coloc mais c'est un autre appart, mais alors il n'y avait pas plus neuf que neuf, ça sentait encore la peinture, tu vois, ils avaient fini quelques jours avant, elle s'est assise sur un radiateur électrique, du coup ça a arraché une partie de la cloison, ça coûtait, j'ai fait venir entre guillemets mon homme a tout faire là, parce qu'il peut me faire une facture, il a refixé les trucs, il m'a rebouché les trous, il m'a mis nickel, et il m'a dit, clairement, c'est parce que quelqu'un s'est adossé dessus. Il dit, sinon, ça tenait, il n'y avait pas de souci, on avait mis des chevilles et tout ça. Ok. Et puis, il a refait tous mes apparts, donc je le connais, par cœur. Il les connaît tous par cœur. Et puis, il n'y a pas du matériau de crotte. En fait, j'ai besoin, le pas cher coûte très cher, donc j'ai besoin de mettre du moyen plus. Pas des poignées en or, mais de mettre vraiment, par exemple, du super A ou des choses comme ça pour que ça dure le plus longtemps possible. Je n'ai pas à avoir à revenir dessus. Et surtout, il m'a dit, non, mais elle s'est assise dessus. Donc, j'ai retenu ça sur la caution. Et la maman qui gagne plus de 100 000 euros par an me dit oui, c'est inadmissible. Heureusement, j'ai pris des photos. Ça, c'est la vraie vie aussi. Donc, elle gagne plus de 5 000 euros par mois, machin. Et tu m'embêtes pour 166 euros. Donc, j'ai dit ouais, j'ai pas compté les tâches, les choses comme ça. Donc, on va se calmer un peu. Mais c'est le deal aussi. Dans une pièce, vous avez les deux côtés. Mais clairement, ce qu'il y a de top, c'est que, tu vois. Je me suis dit, ma maman, voilà, là, elle est à l'hôpital. Qu'elle soit à l'hôpital ou pas, les loyers tombent. Tu vois ? C'est ça. Tu vois ? C'était pas obligé d'être 8 heures par jour au travail pour gagner cette somme-là. Par contre, tu as fait le travail en amont, tu as rénové, tu t'es occupé des artisans, blablabla. Et après, ton job, c'est de faire en sorte de gérer les gens, de répondre à leurs problématiques, à leurs questions, d'anticiper les questions, de leur proposer des nouveaux trucs. Alors moi, c'était la CAF, donc je leur dis là, ça vous redresse aux logements, vous aurez droit à peu près à ça. Ah bon, est-ce que vous êtes sûr? Et en plus, je vais plus loin que ce que peuvent donner les autres propriétaires. Donc même si moi, je suis plus cher, eux, ils gagnent plus parce que je leur fais gagner plus par rapport à la CAF. Okay. Donc ils sont super contents. Ils me disent, ah ouais, mais on m'avait jamais dit ça. Bah ouais. C'est ça aussi la valeur ajoutée, c'est de connaître son marché, de connaître les gens, d'aimer les gens aussi et de leur apporter le meilleur pour être tranquille et pour pouvoir être sur autre chose et chercher des autres bonnes affaires. Ça, c'est mon objectif, c'est d'être chef d'entreprise. C'est ça.
Alors, on va avancer. On a Ouais. Joël qui dit « Tous sur énergie demain ». Ben oui, mais allez-y. En plus, c'est la super bonne période. Ce sont les vacances. Mais ça cartonne. Les gens, ils sont tous en vacances. Ils sont pas les meilleurs gains, c'est entre 6h et 9h. Je vous dis direct, c'est la matinale, ce sont les meilleurs gains. Après, le soir, c'est un peu plus du style Coé ou des choses comme ça. C'est moins sérieux. Parce que le matin, les gens sont pressés. Donc, vous programmez votre téléphone, boum, vous appelez, et boum, 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 et c'est bon, c'est parti. Ah ouais. On a Tony qui dit, il ne manque plus qu'à gagner un immeuble. Et bien, oui, mais n'empêche que vous rigolez, mais moi, à La Réunion, j'ai fait gagner une personne qui a gagné un terrain à La Réunion. Donc, ouais, je suis d'accord. L'immeuble, ça ne m'intéresse pas. Mais le terrain à La Réunion, oh oui. Donc, à la personne, je l'ai coachée et elle a gagné le terrain. Alors, ensuite, on a Ziblo qui dit ça, Xavier, tes apparts te rapportent combien en cash flow? Alors, Ziblo, je t'invite tout simplement à lire mon livre, devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Tu as toute mon histoire, tu as vraiment tout et dans les détails. On continue. Bonsoir Antoinette, salut Antoinette, j'espère que tu vas bien. Alors, on a Taline qui dit coucou Audrey, c'est Omblin, cool de te voir. Ah, coucou! Ah, je suis contente. Elle est partout, Omblin, c'est ma chouchou, Omblin. Ensuite, on a Karine qui dit ça me fait penser à moi, à une époque, mais j'ai arrêté de jouer et je ne revendais pas. Ok. On continue. Énergie Tropique FM et j'en passe. Alors, on a Moussa qui dit tu as dit tout à l'heure que quand tu étais en année sabbatique, tu as voulu investir et que le banquier t'a dit que tu ne pouvais pas car tu n'avais pas de salaire et que tu lui as dit qu'il n'avait pas le droit car il devait compter un salaire fictif car tu étais toujours en CDI. Tu peux approfondir oui. cette notion? Alors, par défaut, en fait, ce que vous savez, comme je vais reprendre les expressions d'Olivier Seban, alors je ne sais plus comment il disait ça, ce que vous savez vaut des milliers d'euros. C'est exactement là. Le banquier m'a dit non. Il m'a dit non. Je ne supporte pas qu'on me dise non. Et je lui ai dit, c'est pas tout à fait ça. Parce que je savais, j'avais déjà eu l'info. Et justement, c'était mon courtier, donc les relations, les discussions que j'avais avec les gens qui vous tirent vers l'eau et non qui sont jaloux, peu importe, pas d'intérêt. Il m'a dit, mais Audrey, tu sais qu'en année sabbatique, tu peux, parce que du coup, vu que t'es en CDI, je suis, ah bon? Il me fait, ouais. Il me dit, mais ton banquier, dans 99% des cas, il n'a jamais eu le cas, il va te dire non d'office. Donc, tu le laisses dire non. Tu blablates et tu le laisses dire non. Je suis d'accord. Et là, je lui ai dit, ben, en fait, c'est pas tout à fait ça. J'ai un CDI, je peux reprendre demain, j'aurai un salaire, donc pourquoi vous ne me prêteriez pas? Oui, je suis pas sûre, je fais. Justement, allez voir votre directeur. Et le directeur est venu 20 minutes après, puis oui, effectivement, vous êtes la deuxième personne en 20 ans qui me demandait ça. Wow. Et j'ai dit, yes! Et du coup, le reste de la négociation, de la discussion avec la personne en face était hyper facile parce que je lui ai appris quelque chose. Bon, en l'occurrence, j'avais un petit peu mouché, mais je lui ai dit, OK, de ce fait, tout ce que je disais, il le regardait à deux fois. Ah ouais, c'est ce qu'elle dit. Et de ce fait, j'ai dit, mais allez, mais c'est parti, mon kiki. Donc, tout ce que vous savez, même sur le livre de Xavier, sur tous ces petites pépites qui, peut-être que vous avez lu peut-être 100 fois la même phrase, mais un coup, elle va faire tilt. Un coup, vous allez la comprendre. Moi, il y a encore des phrases sur le livre d'Olivier que j'ai sur tous les bouquins que j'ai, même sur les PDF, sur les audiobooks. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ça vous fait brainstormer. Je dis, oh, mais c'est peut-être ça. Et ça vous force à aller plus loin dans votre réflexion et du coup d'acquérir des connaissances. Et après, ça devient facile. On dit, ah, mais non, mais ça, c'est une évidence parce que ça. Il n'y a même plus la question. En fait. On ne bute plus sur le truc. Et donc, c'est simple en fait. Et la personne, dans 99% des cas, le banquier, quel qu'il soit, va vous dire non. Et c'est là que vous allez dire, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Parce que si, parce que, ah ouais, oh, ben, je vais me renseigner. Et vous lui apprenez quelque chose, c'est un exemple. Mais tout ce que vous savez vous fait gagner de l'argent. Parce que plus vous apportez de la valeur aux gens, et plus vous allez gagner de l'argent. C'est-à-dire que, par exemple, je reprends l'exemple CAF. Je dis aux gens, dans votre situation, vous allez avoir droit à ça. Ah bon? Ouais, parce que si vous faites ça, vous allez avoir droit à ça. Ah bon? Mais on m'a pas dit. Bah non, on va pas dire comment gagner de l'argent. Et moi, je suis là, parce que c'est-à-dire que je peux mettre un loyer plus cher. Du coup, toi, tu vas avoir
plus d'aide au logement dans ce cas-là, et moi, je vais gagner encore plus pour la même chose, simplement parce que je t'ai donné une info et tu fais le nécessaire. Et tu peux te payer ça sans être obligé d'avoir une colocation bas de gamme. Tu peux te payer le super plus du plus, où tu seras super bien, avec un maximum de confort, et tu seras bien dans un truc luxueux. Oh, sérieux, on rêve tous de la vie de princesse ou de prince. Et les gens sont dans de meilleures dispositions pour pouvoir étudier, travailler, et tout ça. Ils disent oh, « Ouais, génial !» Et c'est tout ça, en fait. C'est tout mis bout à bout. Donc, les connaissances que vous pouvez acquérir vous font gagner des milliers d'euros. Et les connaissances mentales ou les connaissances sur votre réseau, pour moi, c'est une des clés de fou. C'est un truc de malade. Enfin, clairement, c'est un truc de fou. Et surtout, n'ayez pas peur, ça c'est assez difficile, parce qu'on manque tous quelque part de confiance en soi, n'ayez pas peur d'investir sur vous. Manger des livres, on donne de la nourriture à notre corps et il faut qu'on donne de la nourriture à notre cerveau. Depuis qu'on n'étudie plus, qu'on a arrêté l'école, on n'étudie plus. Donc on ne nourrit plus notre cerveau, c'est un muscle. Donc il faut lui donner à manger. Tout ça. Et vous allez avoir plein de trucs et ça va vous rendre vivant, ça va vous emplir en fait. Et c'est tout ça en fait. C'est tout ça. Alors, on a Mélissa qui vous repose une autre question qui dit « Tu avais un salaire de combien quand tu as commencé à investir ?» Quand j'ai commencé, j'avais un salaire de 1100 euros. 1100 euros. Point. Okay. Et sur la fin de ma carrière, j'ai gagné… Ma fin de ma carrière, j'étais une rockstar. J'ai gagné environ… parce qu'on était payé sur 14 mois, ça devait faire à peu près 1500-1600 par mois. Okay. Voilà. C'est très important ce que tu viens de dire. Très important. Et je précise que j'investis seule. J'ai toujours investi seule, même si je suis en couple, parce que mon conjoint gagne très bien sa vie, mais il dépense plus que ce qu'il gagne. Je ne vais pas le dire trop fort. Mais, et du coup, moi, je ne voulais pas, et je voulais accéder à ce niveau. D'accord. Et je veux accéder à tout ça, et je me suis mis en mode ah ouais. Je me suis dit non, je vais être la seule commande. Donc, j'ai enchaîné les appartements seule, parce qu'après, si vous dites ce que vous faites, c'est pas forcément. Ça ne vaudra pas le coup d'acheter un appartement, un immeuble pour gagner 50 euros. Mais non. Ça, c'est ce que va faire toute la base. Mais je ne me déplace pas à moins de 500 euros, 400, 500 euros. 500 euros sur un salaire à 1500, il m'en faut 3 et j'ai mon salaire. C'est du cash flow. Exactement. Du cash flow, ça n'est pas imposable. C'est dans ma poche. In the pocket. Exactement. Et les lois sont faites par des riches pour des riches. C'est tout. Donc si tu comprends un peu le système des riches, bah, tu peux t'enrichir puisque c'est fait pour avantager les riches, mais c'est pas fait pour avantager les pauvres, tout simplement. C'est pas fait pour avantager la classe moyenne. La classe moyenne sur un salaire à 1100, 1200, 1500, il vaut mieux être soit sur les minima, mais c'est vrai, parce qu'au final, voilà, ou soit carrément sur des salaires à 5-6 000 euros. Mais si tu fais partie de la masse, c'est là où tu es le plus imposé. Si tu as 1 000 euros en salaire ou 1 000 euros en revenu locatif, 1 000 euros en salaire, tu vas être imposé. 1 000 euros en revenu locatif, niette. Moi, je ne paye pas d'impôt, hein. Aucun impôt. C'est ce que je dis tout le temps. Quand on paye des impôts, c'est qu'on a mal fait quelque chose. Ouais, c'est qu'il faut changer la stratégie. Ouais. Alors, on a Miss Imparfaite qui nous dit pourquoi avoir choisi la colocation. Alors, c'est une très très bonne question et je me suis rendu compte, je vais prendre un exemple, c'est un peu comme un gâteau. Je ne suis pas du tout dans le commerce. Je me suis dit, bon, on va me prêter, le maximum qu'on pouvait me prêter avec les 1100 euros, c'était maximum 70 000 euros. Je me suis dit, mais clairement, mais comment je peux faire avec 70 000 euros? Je me suis dit, ok. Audrey, j'ai une nature hyper prudente. Je me suis dit, ok, je vais acheter un truc à 50 000 et j'aurai ces 20 000 de marge. Comme ça, ils vont me tester. Voilà. Mais je ne savais pas que j'allais en Chine. J'allais acheter pour acheter, mais je ne gagnais pas d'argent. Je ne savais pas investir. Du coup, j'ai acheté cash. Je ne savais pas l'effet de levier, tout ça, je n'en savais rien. Mais je voulais acheter que ce soit moi, je n'aime pas les crédits. Bref. Puis après, je me suis formée. Après, je me suis dit, ah, mais on peut vraiment gagner de l'argent dans l'immobilier? Ah, mais si on fait ça? Oh non! Mais oh, sérieux! Et ensuite, pourquoi la colocation? Tout simplement parce que je me suis dit, ok, j'ai un appartement.
Mais si je mets plusieurs personnes dedans et que je demande un loyer à chaque personne, ben, j'aurai plus que si je mets une famille avec le même nombre d'appartements. Je dis, mais c'est comme un gâteau. Si je vends le gâteau, qui va coûter 10 euros, j'en sais rien, un gros gâteau. Mais si je découpe par part et que je vends les parts à l'unité, au final, tout ça, eh ben, je vais avoir plus que mes 10 euros. Je me suis dit, je ne peux pas acheter tout, mais autant d'immobilier chaque centimètre que j'ai. Et c'est pour ça que souvent en colocation, par exemple, si je prends, si j'ai le choix entre un 70 et un 80 mètres carrés, je vais négocier, mais sur ces surfaces-là, on ne sera plus sur le prix au mètre carré. C'est X euros du prix au mètre carré. Non. C'est le prix auquel il accepte de me vendre. Donc moi, je vais dire, ok, dans ces 10 mètres carrés-là, je fais une chambre va me rapporter au moins 500 euros. 10 mètres carrés égale pour moi au moins 400-500 euros. Donc forcément, et le prix de la négociation, je me suis dit, ok, je fais juste le travail, par exemple, dans une coloc de 3, j'ai fait un travail, je fais le même bail, mais je change juste les noms et prénoms à deux endroits, je fais tac, 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 vous me donnez ça, j'ai les mêmes courriers. Oui, ça demande plus de travail, mais franchement, avec l'informatique, là, j'ai des personnes qui m'ont réservé mes appartements, ils ne les ont même pas vus. J'ai fait des visites virtuelles, je suis hyper présente, j'ai déjà les visites virtuelles dans mon ordinateur, que je sois n'importe où, c'est accessible depuis mon téléphone, depuis mon ordi, il me suffit d'une connexion internet, vous avez WhatsApp, vous avez quoi, boum, je balance. C'est tout. C'est tout. C'est ça. Et j'ai un entrepreneur qui, des fois, alors moi j'aime bien bricoler, mais ça me saoule. Donc des fois, j'ai mon entrepreneur, comme ça, c'est facturable, je leur dis, c'est comme ça, après c'est les impôts, et boum. Point. Et la communication, parce que pour moi, c'est quelque chose. Je ne voulais pas me transformer en femme de ménage versus la LCD, la location courte durée. Je me suis dit, qu'est-ce qui rapporte le plus? C'est la multilocation. Je mets une personne dedans, il n'y a aucune valeur ajoutée. Elle perd son job, tout ça. Voilà. Moi, dans mes colocations, par exemple, sur une colocation de 3, une seule personne me paye l'entièreté de mon crédit et de toutes les charges. C'est-à-dire que les deux autres représentent mon cash flow. Mon cash flow. Par contre, vous, ce que vous allez trouver, ça va être deux personnes. Deux personnes vont payer votre crédit, vos charges, et la troisième va représenter votre cash flow. Ce ne sont plus vos locataires, ce sont vos clients. C'est plus la même chose. Donc, ce n'est pas le même rapport. Là, ils travaillent pour votre retraite, ils travaillent pour vous payer des vacances. Donc, ils ont droit à avoir le meilleur. Dans mes colocations, il y a des choses que je n'ai pas chez moi. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'il va? Un coup, par rapport au. Je vais faire un parallèle avec les jeux radio et après je te laisse. Un coup, dans une de mes colocs, j'avais mis 3 MacBook Air à disposition parce que je les avais gagnés. Les gens, c'était comme des dingues. T'as ça, t'as pas de concurrence. Ouais, ben même sûr, s'ils ont le même prix sûr. Ailleurs, ils vont dire. Non, mais. Mais ils pouvaient pas les emmener. Mais oh, sérieux. Ouais. Ça veut dire, waouh, on n'a jamais eu ça. C'est-à-dire que la personne, elle fait attention à nous. C'est tout ça, en fait. Et quand on aime tous qu'on fasse attention à nous, ça va dans les petits détails. À Noël, je leur offre des chocolats. Clients. Comment ? Pour le coup, tu peux vraiment choisir tes clients, du moins tes locataires. Mais carrément. Et de ce fait, ce sont eux qui viennent vers moi. Et de toute façon, j'ai déjà choisi la cible en amont. Je choisis ma cible, et je demande ce qu'ils veulent et après, j'achète l'appartement. C'est pas la même chose. J'ai fait mon étude de marché, je suis une entrepreneur. Mon objectif, c'est de gagner de l'argent et d'être à l'aise et surtout de dormir la nuit. C'est ça, c'est très important. Parce que, c'est le luxe suprême. Et plus je fais le maximum, je fais toujours le maximum. On me dit, est-ce que tu as fait le maximum? Ouais, parce que ça m'oblige à me dépasser aussi. Bien sûr. Et c'est ce qu'on fait tout le temps. Si vous avez des enfants, vous allez donner le maximum à vos enfants. Eh bien, les gens, c'est pareil, ils vont vous rendre parce qu'ils vont travailler pour vous. Ce seront eux vos meilleurs ambassadeurs. Si Michael part de la coloc, je leur dis, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a à peu près le même profil que vous? Forcément qu'ils se ressemblent, ça semble. Ils vont dire, ah bah ouais, j'avais telle personne qui était venue me voir, il adore la coloc, c'est super, bah écoutez, voilà, je vous présente. Et boum, il fait le travail pour moi, ils deviennent mes ambassadeurs, voire mes commerciaux. Et le temps gagné, c'est un truc de fou. Et la personne est recommandée, et moi j'ai ok, il y a quoi, et boum, il connaît déjà l'appartement. J'ai même pas besoin de m'en occuper, à part les papiers. Et c'est tout. Vraiment, vraiment top. J'espère que j'ai répondu à la question. Ouais, je pense que tu as bien répondu. On a Bouzid qui dit, quelle énergie, good vibes. Sébastien qui dit qu'il arrive en retard, mais il n'y a pas de problème, Sébastien. Anthony qui dit merci Audrey pour cette énergie et les conseils.
Qui pose une autre question. Le principe est lequel? Achat d'un appart, mise en coloc, ça prend en charge le crédit plus du cash flow, et tout ça sans impôt, et on recommence? Carrément, parce que le cash flow, le banquier va dire, au départ, il va partir sur votre situation, sur votre âge, sur votre CDI, peu importe, sur votre situation, et puis sur votre salaire. Donc il va dire, oui, est-ce que je peux vous prêter comme ça? Voilà. Et ensuite, il va partir sur les loyers que vous allez rentrer. Donc vous ne pouvez pas, enfin, entre guillemets, vous ne pouvez pas bouger votre salaire. Il est fixe, il est, je sais, à 1500, 2000 euros par mois. Mais après, vous allez lui montrer, c'est-à-dire que vous allez dire, ok, vous prêtez pour ça, je vais en faire ça, l'objectif c'est ça, je vais vous prêter pour ça, 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 ça. J'ai déjà les locataires qui voudraient rentrer, mais j'ai pas le bien. Vous avez mis une fausse petite annonce, etc., pour savoir, pour sonder un peu le marché. Donc qu'est-ce que vous recherchez, qui vous répond? Parce qu'entre ce que vous pensez, même si vous connaissez la ville, est-ce que les gens recherchent, il y a des choses que vous n'avez pas, que vous ne maîtrisez pas, les informations des entreprises qui ferment, qui ouvrent, des écoles, etc. Et les personnes qui vont dire, est-ce que vous avez des appartements dans tel quartier? Ah bon, pourquoi? Eh bien, parce que tout coûte, j'en sais, il y a une nouvelle école de coiffure, ou il y a une nouvelle entreprise. Ah bon, je savais pas, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont eux qui vous donnent l'info, ils vous disent ce qu'ils veulent. Ah bah, moi, j'aimerais bien un garage, d'accord. Alors, je vais peut-être pas forcément prendre un garage, mais je vais trouver un parking gratuit ou pas cher à proximité, ou je peux louer un garage, ou sous-louer un garage. Comme ça, j'ai plus cette objection-là. Et après, c'est du jeu. Et après, à l'agent, commercial, à l'agent immobilier, qui travaille pour vous, vous allez dire, écoutez, je veux ça, 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 point. Donc, il ne va pas vous en présenter 50. Le but du jeu, ce n'est pas d'en visiter 50, c'est d'en visiter un ou deux qui correspondent parfaitement au truc. Et de dire, ok, c'est ça que je veux, tac, 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 ça a tout été calculé, ils sont d'accord, et on remet une autre petite annonce pour valider. Oui, mais je suis désolée, il est déjà pris, en fait, je ne l'ai même pas acheté. Il est déjà pris, mais on sait qu'il y a de la demande. Qui sont les gens? Qui sont les profils? Et après, vu qu'on a déjà les profils, on va aménager en fonction des profils. Si je n'ai que des étudiants, ou si j'ai des personnes seniors, ben, ce n'est pas les mêmes aménagements, ce ne sont pas les mêmes mobiliers, ce ne sont pas les mêmes, le même regard. Est-ce que les personnes seniors vont dire, moi je veux peut-être une belle vue en solide, et les étudiants vont dire, je veux une proximité, je veux le transport, je veux un kebab, c'est pas la même chose. Donc on va plus loin, je veux de la tranquillité, je veux Internet, ce ne sont pas les mêmes besoins. Et de ce fait, c'est simplement en orientant votre petite annonce que vous allez cartonner parce que les gens ne font pas d'études de marché. Ils achètent dans 99% des gens, des cas, les gens achètent une colocation et après mettent des gens dedans. Mais si tu ne sais pas à qui t'adresser, si tu vends des voitures blanches et que la mode est au rose, mais t'en vendras zéro parce que tu n'es pas adapté à ce que les gens veulent. Donc tu perds de l'argent. Et après ton banquier va dire, ah ouais, et c'est là où tu peux mettre des tarifs plus chers parce que tu as beaucoup de demandes. Et les gens voient quand ça enchaîne les visites, t'es à 20 minutes de visite, de décart. Ah, je suis désolée, j'ai une visite et ton téléphone sonne. Ah ouais, il est super, tous les gens veulent, on veut le meilleur. Et tu dis, tu fais la pression aussi. Et toi, tu restes maître de ton temps. C'est-à-dire que mes visites, pour le coup, je les fais lundi, mercredi, vendredi, de 17h à 19h. Point. Je prends à peu près une demi-heure de créneau. Et je sais que les gens vont arriver avant. Je leur dis, appelez-moi, envoyez-moi un petit texto. Ça bip quand je suis en visite. Je fais, écoutez, c'est la personne suivante. Voilà. Ça met un coup de pression. La personne sait qu'il y a quelqu'un, c'est intéressé. On veut le mieux. Mais, ah ouais, si les autres sont intéressés, peut-être que je le veux. Je ne sais pas si je suis une bonne affaire. Et boum, et on ne perd pas son temps. Et si la personne n'est pas à l'heure ou n'a pas envoyé les documents que je voulais, tu le sens, même sur les profils, même quand ils te sondent. Et ça nettoie tout seul, en fait, pour toi, les trucs. Pour toi, qu'est-ce qui est rédhibitoire quand tu es un locataire, un potentiel locataire qui veut se présenter pour une beauté coloc, et tu dis, bon, cette personne-là, non. Alors, je ne parle pas de l'aspect financier, mais par exemple, si elle arrive en retard, si elle est mal présentée, qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi? Alors, ce n'est pas forcément ce qui est rédhibitoire par rapport à quelqu'un. Je ne vais pas pointer l'accent sur quelqu'un, voilà. Mais je vais pointer l'accent sur le meilleur des gens qui s'est présenté. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est cette personne-là que je veux. Les autres, ils s'effacent. Parce que si la personne est en retard, ça veut dire qu'elle ne me respecte pas. Je m'en fous de ses excuses, c'est non. Moi, le train, je suis là 10 minutes en avance. Ah, 20 minutes, une demi-heure, parce que j'ai une grande stressée. Le train, il est parti. Donc, si tu ne me respectes pas là, ou au moins prévenir, mais voilà. Moi, j'ai les autres rendez-vous. Et pour lui dire que je ne suis pas prête à t'attendre, je t'offre un service. Je ne t'offre pas ni de mon temps, ni tu ne vas pas. Je ne suis pas une prostituée. Tu n'achètes pas mon truc. Tu loues
un bien, tu ne m'achètes pas moi. C'est pas la même chose. Donc, ok, je suis la propriétaire, mais tu as ce pourquoi tu payes. C'est-à-dire que tu as une chambre, machin, qui est conforme au cahier des charges. C'est ça, mais tu ne m'achètes pas moi. Tu ne m'achètes pas moi parce que tu as bouché le laisser. J'en fous. Je n'ai pas à mettre les mains dans ton caca. Si c'est ça, tu es responsable. Voilà, ça fait une fois, ça fait deux fois. Tu payes. Point. Je ne suis pas ta maman. Je peux t'offrir plus, mais c'est moi qui décide de t'offrir plus si je décide, ce n'est pas à toi de me l'exiger. Donc en fait, c'est le ou la meilleure, et plus tu fais des biens de qualité, plus les gens viennent, et plus tu fais des biens de qualité, ça ne veut pas forcément dire cher, c'est-à-dire des couleurs actuelles, quand tu as fait attention aux gens, et bien tu peux mettre vachement plus cher. Et tous les 50 euros, si tu mets, par exemple, une chambre à 400 euros, tu la mets à 450, tu as trois chambres, bah, ça te fait déjà 150 par mois, donc de plus, tous les mois. Ça, c'est un exemple d'une colocation. Et de ce fait, tout ça, là, c'est 150 euros. Le banquier le voit, ça rentre, il va dire « Ah ouais !» Tu vois, quand hier, j'ai fait une visite à un gars qui m'a envoyé des SMS, je ne le connais pas. Il m'a dit « J'ai un lot de 3 à vous présenter. » Direct, « Ok, je suis prince. » Je ne le connais pas. Il a trouvé, c'est un agent immobilier, donc il a dû, voilà. Il m'a dit, j'ai ça à vous présenter. Ok, parce qu'il sait que ça ne va pas tergiverser, il n'y a pas ça ou non. Et il me dit, combien est-ce que vous voulez dans telle rue, un 26 mètres carrés, normalement ça se loue 260 euros. C'est du 1100. Bah, moi, je lui dis, bah, écoutez, 26 mètres carrés que j'ai actuellement, je le loue 450 euros. Il fait, oh, mais sérieux? C'est 260, j'ai fait le double, quasi. Il me dit, mais c'est pas possible, je lui ai montré le lien. Il me fait, oh, parce que les gens craquent, c'est du craquage, on n'est plus sur une question de tarif, on est sur une question de craquage. Exactement. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui vous fait gagner de l'argent. On ne peut pas acheter tous les biens du monde, mais ceux qu'on a, on les exploite et on les rend le plus agréable possible. C'est ça, en fait. Je suis entièrement d'accord avec toi, André. Et c'est là où finalement les prix ne veulent plus rien dire, puisque les gens ils vont pas louer en fait le bien, ils vont louer la zénitude, la tranquillité. C'est ça. C'est ce qu'ils louent en fait. C'est complètement, c'est le quartier, le craquage, exactement. C'est tout ça, et puis la relation avec le propriétaire. Je m'exprime bien, je ne fais pas de faute d'orthographe. J'ai pas leur dire. Et puis même, il y a des gens que je squeeze direct. Il y en a par exemple sur Facebook qui mettent, il n'y a même pas bonjour, quand il y a un bonjour, où il y a BJR, toujours dispo, mais il va mourir. Enfin, est-ce que tu vas parler de ça, comme ça, je sais pas, à ton employeur ou tout ça? Moi, je n'aurais jamais fait ça. Donc non, c'est quelqu'un que je vais squeezer direct, il n'y a même pas de débat. Merci Audrey. Tu sais, c'est assez marrant. J'ai des collaborateurs et collaboratrices qui bossent avec moi sur certains de mes biens. Et on a eu une petite anecdote il n'y a pas longtemps. C'est un gars avec qui, a toujours le petit côté un peu affect, le mec il met un peu en galère et tu te dis tu vas l'aider. Pire des choses. Arrête! Pire des choses à faire. Okay. Mm-hmm. Et moi j'ai vraiment insisté pour que cette personne ne soit pas dans le logement. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, bon, là j'ai quand même un cœur, j'ai dit ok, on laisse et tout. Et ça n'a pas loupé. Quelques mois plus tard, trois mois plus tard, elle a décidé de partir. Ok, en sachant que voilà, je ne fais pas de la location saisonnière, donc voilà, elle était là pour un certain moment. Et elle a appelé un dimanche, je crois qu'il était aux alentours de 20h, elle disait oui, je vous appelle parce que mon bip s'est désactivé. Et pareil, je lui dis, mais en fait, j'en ai rien à foutre que ton bip soit désactivé. C'est pas de ma faute si tu as mis ton bip avec tes clés. Maintenant, en fait. Donc, si tu as un problème, je suis plein près d'une agence. Sauf que l'agence, le dimanche, on sait tous qu'elle n'est pas ouverte. Okay. Bah oui. Et en fait, c'est très important ce que tu viens de dire. Et ça, les amis, vous qui regardez ce live, vous devez vous dire une chose. Vous êtes propriétaire, vous proposez des services de qualité, mais vous n'êtes pas en train de vous prostituer. Et votre temps, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, les gens ne sont pas capables de le respecter en étant premièrement à l'heure. Alors, je ne dis pas que la personne ne peut pas arriver en retard si elle prévient, ça peut arriver, mais la chose la plus importante au-delà de tout ça, c'est quand la personne vous envoie un message, si elle met BJR, comme Audrey vous l'a dit, si elle met, par exemple, elle ne dit pas bonjour, à part toujours dispo, c'est next,
prend même pas le temps de répondre. Et ça aussi, ça fait partie d'une sélection qui vous permettra de garder vos biens plus longtemps et d'avoir une certaine pérennité sur le long terme. Mais carrément, parce qu'on a tous peur, clairement, les peurs, surtout sur les gens qui n'ont jamais acheté, ça va être les peurs, je sais pas d'où viennent ces peurs, que les locataires dégradent tout, qu'ils ne payent pas. Mais non, vous et moi, enfin, clairement, est-ce que vous avez toujours payé? Bah oui, bah alors pourquoi ça sera différent? L'autre n'est pas méchant. L'autre est celui qui vous rapporte de l'argent. Donc l'autre mérite votre considération. Le but, ce n'est pas de les arnaquer. Le but, c'est justement de leur apporter le meilleur parce qu'eux vous servent à acheter, à acheter ce voyage aux Caraïbes, à prendre soin. C'est tout ça, en fait. C'est pas que l'immobilier. C'est ce que, surtout ce que ça vous permet de faire et surtout, au-delà de ça, de la place que ça peut représenter. C'est très bête ce que je veux dire, mais tu le sais, moi je donne des séminaires, là j'ai mon vision board, là j'étais devant, avec Nathalie Cario, j'étais devant 600 personnes. Tu deviens intéressante, intelligent, beau, peu importe, parce que tu as de l'argent. Tu n'es pas ni plus beau ni plus intéressant, mais les gens font attention à ce que tu dis. Parce que c'est payant, ou parce que, les personnes, il y avait 600 personnes. Les personnes ont payé. Du coup, elles étaient toutes, ça leur fait mal aux fesses de payer. Donc, elles ont investi sur elles, parce que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Mais c'est toi qui décides de l'information de ce que tu en fais. C'est soit tu n'en fais rien, soit tu regardes la télé, ou soit tu dis, ok, ah ouais, maintenant, je veux ça pour ma famille et pour moi, ou pour moi et ma famille, comme tu veux. Parce que je veux le meilleur, ou je mérite le meilleur, ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc, si on veut le meilleur, on mérite d'avoir les meilleurs locataires, ou au moins, pas forcément, c'est pas une question d'argent. J'ai pris des gens qui étaient, une demoiselle qui était étudiante boursière, qui m'a rendu l'appartement dans un état impeccable. C'était nickel. Parce qu'elle me dit, si vous ne l'acceptez pas, elle me dit, j'en ai vraiment besoin pour faire mes études. Je me suis dit, allez, ok. Et c'était pas une question des trois loyers, peu importe, c'était pas ça, c'est la personne en fait. Et même, il y a des gens que j'ai refusés qui étaient pétés de thunes. Je dis non, mais non, parce que vous ne respectez pas mon bien. Il y avait une fille qui avait balancé son sac, qui m'avait rayé avec les petits clous sous les sacs, là, qui m'avait rayé moi. J'ai dit, mais non, c'était mais d'où? Non, je veux des gens qui respectent mes biens parce que mes biens me permettent d'avoir à manger. Je ne ferai jamais ailleurs. Jamais. Donc, j'estime que, vu la qualité que je leur donne, je dois avoir le meilleur des locataires. Et justement, ça attire le meilleur des locataires. Mon but, c'est pas de faire un bas prix. Mon but, c'est de leur offrir quelque chose dans lequel il est bien. Et du coup, forcément, je mets plus cher. Et de ce fait, CQAD, ça fait boule de neige auprès du banquier, auprès de tout le monde. Exactement. Alors, ouais. On avance avec Mélissa qui dit « J'ai la maison de ma mère qui est divisée en deux parties et j'aimerais faire de la colocation sur la partie du haut et donc faire une demande de prêt. Est-ce que est-ce mieux si ma mère me cède auprès du notaire la partie du haut afin de l'exploiter à mon nom ?» Entre parenthèses, elle est très bientôt à la retraite. Bah après, ça va être qu'est-ce que veut votre maman? Est-ce qu'elle a besoin de revenus complémentaires? Comment ça se passe? Après, je ne connais pas votre fiscalité. Quelle est votre fiscalité à vous? Là, on va parler de fiscalité. Clairement, la coloc, ça permet de gagner des sous. Point. Après, sur la fiscalité, avec votre maman, est-ce que vous voulez vous mettre en SCI ou non? Est-ce que vous avez besoin d'argent tout de suite ou pas? En SCI ou en nom propre, peu importe. Ça, voilà, tu peux répondre. Nous, on peut répondre aussi. Enfin, peu importe. Mais ça, c'est vraiment votre propre truc. Mais clairement, la multilocation. Mais je ne voulais pas être femme de ménage versus la SCD. Mon objectif, c'est pas d'être femme de ménage, d'attendre après les gens. Ah, j'ai un trésor, du coup, je suis à 20h. Non. La coloc, je ne m'en occupe pas. Les gens sont là et ils améliorent le bien. C'est leur résidence principale. Ça n'est pas la même chose. Il n'y a pas de prostitution, il n'y a pas de choses comme ça. Je voulais qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. La coloc, ça permet d'avoir du très haut gamme sur un truc qui est pérenne. Tous les mois, j'ai ça. Ça reconstitue mon salaire. Et de ce fait, la coloc, pour moi, mais je suis aussi de la LCD, mais clairement, parce que je voulais être super haute, etc. C'est un autre défi. Mais clairement, la coloc, pour moi, c'est un truc de malade avec une visibilité de fou. Ça permet directement de gagner de l'argent. Peu importe le type d'exploitation. En immeuble, avec des élèves, on a acheté des immeubles où chaque étage avait une cible différente. Bien sûr. Dans chaque étage, tout était en coloc, mais réservé à des personnes différentes. Et ça répondait
pile poil à des personnes différentes. Donc on a eu la senior en bas, du milieu c'était des salariés et tout en haut les étudiants. Pourquoi en haut? Parce qu'ils peuvent monter, blablabla, parce que le bruit, etc. C'était nickel. C'est un truc de fou. Et chaque étage a son truc. Et ça fait que tout est indépendant, même si tout est lié. Et on gagne de fou. Donc après, c'est votre fiscalité et ce que vous voulez faire. Clairement, la colocation, ça peut aller très vite en termes d'argent. Est-ce que vous êtes prêt? Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Alors, qu'en penses-tu? C'est vrai que la colocation, alors, quand on l'exploite avec un immeuble de rapport, on en fait de la colocation, c'est un cocktail explosif. C'est une machine à cash. Bon, moi, je ne le fais pas parce que vraiment, j'ai la flemme. Parce que, voilà, j'ai mon bus. Ah ouais, mais c'est vrai. Je suis d'accord. Voilà, si on est OK avec ça, franchement, c'est une machine à cash. Vraiment. Et je fais même de la colocation saisonnière, mais là, je n'en ai pas parlé. Mais c'est encore, parce que c'est des trucs que je teste, parce que ça m'amuse, en fait. J'adore quand ça ne marche pas, parce que je me dis, et pourquoi ça ne marche pas? Je dis, ah ouais, non mais t'es fou. Et du coup, je fais tout pour que ça marche, en fait. Et de ce fait, ça me permet de m'extirper des tripes en disant « Ah ouais, non mais j'ai pas l'habitude que ça marche pas !» Donc je fais tout pour que ça fonctionne. Donc la colocation, c'est génial, et personne t'en parle, pareil. Okay. Mais c'est cool. Mais la colocation, ça permet direct de gagner de l'argent. Par contre, il faut sonder le marché avant d'entreprendre les travaux, tout ça. On va pas faire n'importe quoi. Peut-être que, je ne sais pas dans quelle ville vous investissez, peut-être que la location courte durée, si c'est une ville peut-être dans les îles ou peu importe, j'en sais rien, à voir en fonction de la proximité, du climat, des choses comme ça. Peut-être que, en termes d'études de marché, c'est peut-être la demande est peut-être sur la location saisonnière ou peut-être de la colocation, mais de qui? Vous pouvez aussi avoir, j'ai des partenariats, alors ça c'est un truc dont j'ai jamais parlé aussi, j'ai des partenariats avec des entreprises, c'est-à-dire que je suis allée les démarcher avec des gros groupes et j'ai dit j'ai un appartement que je mets à votre disposition. Donc c'est l'entreprise, mon locataire, mais à qui il y a des chambres. Donc c'est-à-dire qu'eux, ils font des économies parce qu'ils ne payent pas le resto à leurs commerciaux, ou alors en l'occurrence aux gens qui sont en médecine, ni à leurs commerciaux. Donc ils ont un contrat avec moi, et ils ont l'appartement qui est dispo. Donc il y a femme de ménage, il y a tout ce que tu veux, et ils ont la cuisine. Donc eux font des économies, et les gens sont là, ils ont un pied à terre, ils ont tout ce qu'il faut, c'est le luxe suprême et qui leur coûte vachement moins cher qu'un hôtel et que les restos et tout ça. Donc les entreprises viennent aussi, même si ce sont des gros groupes, et je suis allée les démarcher. Donc au début, ça n'a pas été facile. Et après, on dit, mais ah ouais, je suis allée comme un banquier, comme chez un banquier, super bien habillée, enfin, entre guillemets, pseudo costard cravate. J'ai dit, ok, les avantages pour vous sont ça. C'est moi l'interlocutrice, femme de ménage, nickel chrome, ils ont fait des semaines. Est-ce que vous en avez d'autres? C'est parfait. C'est l'un des meilleurs moyens de gagner du cash aussi, finalement. Point. Donc, aller démarcher les écoles, les partenariats, ça va être les meilleurs des trucs. Ok. Gros tip. Ça vient vous lâcher un très, très gros tip, les amis. J'espère que vous êtes conscients de ça. Alors, on a Musique qui dit, les colocataires partagent la salle d'eau et la cuisine. Ça se passe sans souci. Merci pour l'info. Alors, ça dépend. Alors, il y a une fausse bonne idée. Il y a des gens qui pensent qu'il faut mettre une douche par chambre. Ça, c'est une fausse bonne idée. C'est-à-dire que quand vous achetez, il faut que vous pensiez à la revente. Alors, il y a la valorisation. C'est-à-dire que, par exemple, si... je vous prends un exemple. Cet appartement-là, on a deux chambres. Mais, après, voilà. On a double salon, ici. Donc, clairement, je ferme. Il fait déjà 9 mètres carrés. Je mets une cloison dans une porte. C'est une chambre en plus. Mais là, c'est ma résidence principale. Donc, ça, c'est autre chose. Mais clairement, juste une cloison à mettre. Ça, c'est-à-dire que si, demain, je vais voir, je ferme, je mets une chambre. Donc, je mets en l'occurrence 3 colocataires, à la place de possiblement 2, mais là, ce n'est pas le cas. Je vais faire de la valorisation. C'est-à-dire que je vais aller voir un agent immobilier. Je vais dire, OK, simplement, en ayant fermé, en ayant valorisé le bien, on me l'a vendu comme étant deux chambres. Voilà, mais vous allez juste prendre l'exemple. Alors que si j'en fais trois, bah, c'est plus la même valeur sur le marché. Donc s'il me valorise, donc comptablement, sur l'amortissement, ça va être encore plus important. Donc ça me gagne des durées d'amortissement. Et en plus, si je revends, je vais le revendre plus cher, rien qu'en ayant mis une cloison et une porte, ça fait 150€ la cloison, plus la porte que vous voulez. Point. Et je peux revendre le business aussi. Je peux revendre l'activité de colocation. Et moi, après les colocations, enfin après, ça c'est un tips aussi.
Mes colocations ont un site internet. Donc, Google travaille pour moi. Ça, c'est bon. Donc, le référencement travaille pour moi parce que ma colocation, c'est le nom sur la boîte aux lettres, ce n'est pas Pierre Paul Jacques. Ma colocation, elle est nommée. Il y a un titre de colocation, quelles que soient les personnes. Même le Netflix, j'ai des partages de Netflix dans toutes mes colocations. Je mets Netflix. Ah, parce que là, j'ai 5 comptes. Ok, j'ai pas besoin de 5 comptes. Donc, je les mets dans mes colocations. Donc, je leur offre Netflix. Oh, valeur ajoutée. Entre deux annonces quasiment similaires. Ah ouais, mais là, il y a Netflix. Peut-être qu'ils ne regarderont jamais. Mais ils savent qu'ils en ont plus pour le même prix. Et on en veut plus pour le même prix. C'est tout ça, en fait. Et je revends aussi, possiblement, l'activité de colocation. C'est-à-dire que je vends avec le site internet, je vends avec les partenariats que j'ai aussi. Parce que tout ça, c'est du travail. Donc, même si j'en sais rien, un appartement, j'en sais rien, valait 100 000, peut-être que je peux revendre 150 000 en ayant mis ma cloison à 150 euros et ma porte. Et parce que j'y ai donné une autre valeur, j'ai mis un autre locataire, j'ai mis 500 euros, plus 500, plus 500. Et du coup, tu viens, tu as les clés en main, tout le travail que j'ai fait. C'est tout ça, en fait. C'est une entreprise. On est des chefs d'entreprise. Donc, il faut arrêter de réfléchir comme des salariés et réfléchir comme des entrepreneurs, comme des créateurs de valeur. On est des créateurs de valeur. On n'est plus des consommateurs. On est des créateurs de valeur. C'est pas la même chose. Est-ce que ça parle ou pas? Ouais, ça fait sens, en tout cas, pour moi. Ouais. Alors, on a Anthony qui dit... pense à donner mon numéro pour les chocolats. Alors, Anthony, qui a sa boîte de chocolat. Donc, si vous voulez acheter du chocolat, il faut passer par Anthony, les amis. Je suis d'accord. Voilà. Je veux bien être super testeuse de chocolat. Mon foie vous dit merci. Oui, je suis d'accord. J'adore les chocolats. Mais c'est horrible, ça. Hein, on n'a pas le droit de faire des bassesses comme ça. On a Sébastien qui dit « Elle est forte en parlant de toi. » Donc, merci à toi, Sébastien. Chapeau, merci. Dit-elle. Non, j'ai pas mal minci pour ton âge de là. Elle est forte. Alors, il y a Ambis qui dit, peut-on faire des immeubles de rapport, Xavier, et colocation, Audrey, dans ce même immeuble de rapport? Oui, je sais, oui. Je suis partout. Oui, alors, Ambline, oui, effectivement, tu peux. C'est, voilà, quand tu fais ça, c'est le must du must quand tu as un immeuble avec de la coloc dedans. Et royal au bas. Oui, tu peux le faire sans aucun problème. Puis franchement, ça ne change rien puisque l'immeuble, ce sont tes pierres et clairement dedans, tu es le roi du monde, tu fais ce que tu veux dedans. Enfin, s'il n'est pas classé, si tu n'as pas des comptes à rendre, etc. Mais clairement, tu fais ce que tu veux. Tu peux même faire, enfin, c'est très bête ce que je veux dire, tu peux même faire de la prostitution. Enfin, si tu ne le sais pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu peux l'exploiter de toutes sortes. Mais après, est-ce que tu veux gagner de l'argent? C'est ça. On a Colette qui dit « Audrey, wow, tu es juste incroyable. » Merci. Alors, Valérie qui dit « Yes, je suis bluffée, merci beaucoup. » Et encore, j'ai pas fini parce que j'ai pas parlé du gros du sujet quand même. Ouais, c'est Colette qui disait ça, pardon, et Colette qui a dit « Quel mindset !» Alors. Mélissa qui dit, quelles sont les exigences spécifiques au niveau d'un appartement pour faire de la colocation? Ah, les exigences en France. Alors, j'ai dit France, j'ai pas dit France ni métropolitaine ni tout ça. J'ai dit France. Les exigences pour faire la colocation, c'est en premier, alors j'ai pas parlé de l'étude de marché, j'en ai déjà parlé. En premier, quand on voit un appartement, on va regarder la surface globale. Et surtout, on va regarder le règlement de copropriété. D'accord ? Alors, il y a des règlements de copropriété. J'adore ça. J'adore quand c'est non. Parce que je trouve les moyens pour que ce soit oui. Il y a plein de gens qui trouvent plein de modes d'affaires et qui disent « Oh non, dans ce règlement de copropriété, c'est marqué que la colocation est interdite. » Je dis « Ouais, génial, ça va être la meilleure des bonnes affaires que je vais pouvoir faire et je vais exploiter en colocation. » Ouais, mais c'est juste parce que j'ai utilisé le bon bail. Et le bail qui va bien. Parce que si on utilise le bon bail qui va bien, on a le droit de faire la colocation, même si le règlement copropriété interdit. Mais enfin, parce que vous avez des bons individuels, donc Michel qui a la chambre bleue, Janine qui a la chambre verte, etc. Ok. Et ensuite, vous avez le bail collectif, mais qui ne veut pas dire que les gens sont solidaires. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de l'appartement qui est loué à Pierre Paul Jacques. Mais après, ils distribuent les chambres comme ils veulent. Par contre, nous, sur le bail, on a marqué la chambre rose.
quelle que soit la personne qui l'affecte. La chambre rose est à 500, la chambre bleue est à 200, enfin, oui. Mais peu importe, moi, c'est l'appartement qui est à Pierre Paul-Jacques. Après, il peut se mettre en colocation, peu importe. Simplement, dans l'appartement, il y a la chambre bleue et la rose qui ont des tarifs différents. Ah, ben ouais. Du coup, tu peux rien dire. Mon bail, il est bon. Et c'est très drôle, en fait. Parce que les gens ne peuvent rien dire. Et les gens disent, ah non, j'ai pas pu. Mais c'est votre méconnaissance, c'est la méconnaissance qui vous fait perdre de l'argent. Du coup, vous dites, oui, génial, la personne a déjà négocié. Alors, ce ne sera pas le tarif auquel je vais acheter, parce que j'ai encore surnégocié. C'était le tarif de base. Je dis, oui, je vais faire la colocation, mais ce n'est pas possible. Ah ouais, ah, génial. Vous allez proposer combien? Bon, je ne sais pas, 100 000. Je fais, bon, moi, je vais proposer 65-70 000. Boum! Parce que la personne, elle va dire, non, je suis génial, je suis encore plus une bonne affaire, la personne a travaillé pour vous, juste parce que mes connaissances font que je vais gagner ça. Waouh, génial! Et autrement, en termes de surface légale, chaque chambre a au minimum une surface de 9 mètres carrés et 20 mètres cubes. Point. Ni 8,99, c'est pas bon. Mais c'est 9 mètres carrés et 20 mètres cubes pour pouvoir percevoir un loyer pour ces 9 mètres carrés et 20 mètres cubes. Point. On continue avec Karine qui dit, alors là, chapeau bas, Madame Audrey. XP, tu as des personnes pépites dans ton répertoire. Merci de partager ces expériences. Merci à toi, Karine. Ça fait plaisir. Je te laisse parler, Audrey. Mais parce que Xavier et moi, on a le même mindset. Même, on est même sur du mind du 8. Bon, et on s'est toujours vachement bien entendu parce qu'on est des entrepreneurs. On n'est pas des gens... Enfin, là, en l'occurrence, moi, je parle énormément. Déjà, de toute façon, là-bas, je parle. Mais on est des gens qui sont normaux, en fait. Enfin, on n'est pas... Enfin, on vous partage. Il n'y a pas de filtre, en fait. Enfin, je suis comme ça. Vous me trouvez dans la rue en train de prendre un café. Je serais pareil. Je vais vous dire plein de trucs. Je ne vais pas faire de la rétention d'informations. Bien au contraire. Parce que plus je vous donne, plus vous allez savoir et plus, quelque part, vous allez parler de moi aussi. Ce n'est pas l'objectif. Ça va me revenir. C'est la loi de l'attraction, la loi de l'univers, la loi de la vibration, tout ce que vous voulez, peu importe, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Plus vous faites le bien, plus ça vous revient. Donc, autant être heureux, arrêtez de dire « Ah, mais je ne vais pas parler de mon projet, même plus l'idée. » Oui, mais entre l'idée et le fait de faire les actions pour faire, non, enfin, il y a beaucoup de travail, mais c'est énorme. Et Xavier et moi, nous sommes, on a un réseau qui est rempli de pépites. Les gens, on est tous complémentaires. On adore se voir, se parler quand on est à Paris en séminaire sur des networking ou dans des, peu importe. C'est vraiment c'est de la joie. Il y a pas de on est vrai, on peut aller les uns chez les autres. Il n'y a pas de souci, en fait. C'est au-delà des collègues, en fait. Ça va vachement plus loin parce qu'on dit, ah ouais, tiens, moi, je sais que quand j'achèterai des immeubles, je vais forcément prendre la formation de Xavier. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, il a galéré. Il va me faire gagner du temps. Je sais que ça sera parfait. Et en plus, j'ai accès à lui à travers cette formation. Il va me dire, non, parce que j'ai fait ça, j'ai dit ça parce que j'ai eu ça et qu'il s'est passé ça. Oh, mais ouais, tu peux m'éviter des erreurs de fou. Sur la colocation, les gens pensent qu'en ayant vu 4 vidéos, ils savent tout. Oh, mon Dieu, mais acheter, c'est facile. Mais sur le long terme, c'est vachement, c'est carrément différent. Ça, je vais te couper sur ça. Et tu as entièrement raison. Je te dirai pourquoi. Mais merci. Je te dirai pourquoi. Mais ça, c'est moi aussi. Là, en ce moment, il y a une espèce de vague de personnes qui veulent potentiellement soit bosser avec moi ou peut-être même avec toi. Ça t'est probablement arrivé. Ou tu as des personnes qui vont te dire « Ouais, mais bon, ce que tu proposes, c'est un peu cher. Maintenant, tu peux trouver ça gratuitement sur Internet. » Je dis « Ok. » Et en fait, c'est assez drôle parce que je me dis, mais en fait, n'importe quel idiot peut acheter un bien rentable. Il n'y a pas de problème. Ça a la portée d'un mec et une calculatrice. Acheter un bien rentable, n'importe quel idiot peut le faire. Mais gérer un bien pour qu'il soit rentable pendant les 20 prochaines années, ça, faut savoir faire. Et ça, si t'es pas formé pour le faire, ben, vas-y, fonce. Mais les gens reviennent en courant, hein. T'as vu, hein? Les gens reviennent en courant. Parce qu'il y a les trucs. Ah, mais il s'est passé. Ah, mais ça, j'ai pas trouvé sur Internet. Ah, oui, ah, oui. Bah, ouais, mais ça, c'est la différence entre le gratuit et le payant. Il y a le gratuit, je peux aller gratter des informations et vous les revomir. Mais par contre,
entre ce qu'on a vécu vraiment, on va dire, ah, tiens, il s'est passé ça, oui, il s'est passé ça. Là, on a l'expérience. Donc, moi, clairement, ce sera, mais c'est une évidence que j'achète l'information. Mais c'est pas parce qu'on se connaît que je vais lui demander qu'il me l'offre. Rien à voir. C'est justement parce qu'on se connaît que je vais la lui acheter. Parce que je vais acheter de l'expérience, je vais acheter des galères, je vais acheter des cheveux blancs, je vais acheter tout ça. Et surtout, j'aurai accès à lui. Et c'est tout ça, en fait. C'est, je veux apprendre, je veux comprendre, je veux investir sur moi et je veux avoir accès à lui. Je vais dire, ah ouais, tiens, oh, je n'avais pas pensé à ça. Oh, incroyable. Ah ouais, ça, non. Sérieux, il y a ça. Et tout ce que je, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. On ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Et acheter des formations, c'est pas pour acheter des formations, mais ça donne accès à la personne. On est tous experts dans un domaine de prédilection. Si on combine nos savoirs, on va dire, tiens, mais il y a ça, ah ouais, mais on peut faire ça. Et ça donne la naissance, entre guillemets, d'un bébé, et c'est encore mieux. Et je n'ai accès qu'au meilleur. Donc, je n'ai pas de temps à perdre, en fait. Je ne veux avoir accès qu'aux meilleurs, c'est-à-dire aux meilleurs avocats, aux meilleures personnes qui font des rapports, des immeubles de rapports, aux meilleures personnes qui font de la LCD, aux meilleures personnes qui font des garages, pas qui en ont acheté 1, 2, 3, 12, mais par contre, quelqu'un qui a acheté 1000 garages, wow, ok, je me tais, on prend un café, est-ce que vous pouvez m'accorder une heure de votre temps? Déjà, ce sera mon Dieu, merci. Je vais apprendre. J'ai accès à lui, en fait. C'est ça, le truc, en fait. On a Anthony qui me dit, ça me donne des idées, Xavier. C'est cool, Anthony, on va pouvoir en discuter. Alors, on a PL Studio qui dit, à combien ton patrimoine s'élève? Ah, alors ça, c'est la question interdite. Je ne vais pas le dire. Okay. Moi, perso, je ne le dis pas. Je ne le dis pas parce que pour les gens... passer, je sais pas trop où est le seuil. Peut-être qu'ils se disent, parce que peut-être certains n'ont même pas encore franchi le premier pas. Donc ils vont dire, ah ouais, mais jamais j'arriverai. Si je vous parle de quelqu'un qui a 1000 appartements, vous allez dire, oh, ah non, mais 1000, ah oh non, mais jamais j'arriverai. Parce que c'est pas, mentalement, ce n'est pas possible pour l'instant. Mais quand vous en serez à 999, le millième, il sera plus après, on achète par l'eau, peu importe. Mais il faut juste faire étape par étape, en fait. C'est vraiment une marche après l'autre, parce que ça vous fait grandir, et après, ça vous fait envisager des choses. Donc, mon patrimoine, ça va soit vous faire rêver, soit vous dégoûter, peu importe, mais ça ne va rien vous apporter. Si ça vous motive, je pourrais vous dire, mais surtout, c'est pas, oh là là, t'as vu, machin, mais c'est, comment t'as fait? Explique-moi comment t'as fait. C'est ça, le truc. Et les amis, vous qui regardez ce live, arrêtez de poser ce genre de questions qui n'ont aucun sens et qui vont rien vous apprendre. Si Audrey a 700 millions de patrimoine, peu importe, qu'est-ce que ça va vous apporter en soi? Rien du tout. Ce qui est très important, c'est comment faire. C'est ça. Ah ouais. Donc, utilisez l'heure qui a déjà dépassé d'ailleurs pour le coup, donc merci pour ton temps, Audrey, mais utilisez ça pour poser des questions pertinentes. Arrêtez de faire ce que ça, c'est de la curiosité, mais concrètement, je suis d'accord, elle est légitime, cette question. Mais je me dis, concrètement, qu'est-ce que ça va changer à votre vie? Combien j'ai de patrimoine? Concrètement. Mais c'est surtout, regardez ce que ça peut vous motiver à faire. Vous pouvez aller voir, peu importe, sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver plein de trucs sur la colocation. Des vrais trucs de vrais gens. Je vous parlais de galères, je vous parlais des beaux, je vous parlais de... Peu importe, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, je vous y répondrai en vidéo. Ou il y a certaines questions, je vais vous dire, bah là, c'est plus dans ma formation, ou alors pas du tout. Mon objectif, ce n'est pas de vous... je ne vais pas dire forcément de vous aider, mais c'est de vous aider si vous avez envie aussi. Parce que je ne peux pas pousser quelqu'un, je ne peux pas décider pour vous. Moi, je l'ai fait, ça ne va rien me changer. De vous aider ou pas, ça ne va rien me changer. Donc, autant utiliser... mes informations, il y a des personnes qui n'ont pas acheté mes formations, qui n'ont investi qu'avec mes vidéos et qui reviennent après, qui disent « Oh, Audrey, tu avais dit ce mot-là dans cette vidéo, mais ça m'a fait un truc de fou. » Et du coup, je me suis dit « Ça y est, c'est le moment. » Ils sont super contents après de venir dans mes séminaires et de dire « Oh, bah, c'est génial, mais t'as changé ma vie. » Bah non, j'ai rien fait. C'est toi qui étais prêt à ce moment-là. Et c'est toi qui as dit « Soit j'en ai marre, soit je veux autre chose, soit je veux prolonger les vacances, soit je ne veux plus dépendre d'un seul patron. » C'est tout ça, en fait. C'est qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? C'est ça, le truc, en fait. C'est top. Tu vois? Alors, on a Daryl qui dit « Merci beaucoup, Audrey, pour les tips. » On a Priscilla qui dit « La colocation mixte
filles, garçons fonctionnent-elles? As-tu des recommandations à ce sujet? Ah oui, moi j'adore. Comme dire, alors j'aime bien, j'avais un, je sais plus, il y avait un sketch de Thierry Lhermitte, je sais plus, il parlait de, je sais plus de quoi il parlait, il disait, je ne peux pas me permettre de me passer de 50% de mon public. Donc effectivement, je ne peux pas me permettre de choisir entre filles et garçons. Par contre, j'ai des règles, étant une femme, donc je vais regarder si ça craint. Je vais regarder si je pourrais mettre mes enfants, éventuellement, tout ceci, tout ça. Peu importe. Je suis une femme, on n'a pas les mêmes critères. En plus, toi, par exemple, qui est assez baraquée, tu as peut-être moins peur. Moi, je me dis, si une jeune fille qui a peut-être 18 ans, qui est peut-être un peu plus frêle, est-ce que je la verrais là, par exemple? Mais ma règle, c'est en général. Alors, ça, je vais vous donner un autre tips. Maintenant, alors, j'ai des colocations paires, mais maintenant, je me concentre sur les colocations impaires. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai rien. C'est-à-dire que j'ai préféré dans mes colocations impaires, par exemple, deux filles, un garçon, au lieu de deux garçons, une fille, pour des questions de sécurité par rapport à la demoiselle. Par contre, je l'ai déjà fait, parce que je m'adresse essentiellement à des adultes, dans les colocations que j'ai en tête, et les gens sont là pour travailler, donc on n'est pas ils sont pas là en mode crevard, enfin pardon, mais on est vraiment sur des gens qui sont là pour discuter. Donc j'ai des colocations de personnes étrangères volontairement qui veulent par exemple parfaire leur anglais, parfaire leur espagnol. Ils sont contents parce qu'ils ne connaissent personne dans la ville, donc la colocation c'est un aspect aussi, ben, je suis pas tout seul quand je rentre le soir, je connais personne, etc. C'est bien, ils cherchent une expérience, une colocation c'est une expérience, il faut vraiment vous les en tête. Et par contre, j'ai déjà fait par exemple avec une fille et deux garçons, parce qu'il y avait l'un des deux garçons qui était son frère et l'autre son cousin. Donc je lui ai dit, voilà, mais par contre, si j'ai quelqu'un qui part, et que j'ai par exemple une fille et un garçon, et que par exemple j'ai un garçon qui serait intéressé, je vais demander à la fille, je vais dire, écoutez, voilà, j'ai telle personne, est-ce que vous voulez la rencontrer, est-ce que vous pensez que ça peut le faire ou pas? Donc elle va me dire oui ou non. Donc je peux les faire rencontrer avant, et c'est elle qui va valider ou non. Si elle me dit non, écoutez, vraiment, il a des yeux bizarres, ou je sais pas, je viens de miette, je vais chercher quelqu'un d'autre. D'accord. Mais parce que mon objectif, c'est qu'ils soient bien et à l'aise tous. C'est pas évident de vivre déjà en colocation. Donc, il faut que chacun ait ses limites, la vaisselle, des choses comme ça. Mais encore plus, avec des gens, on peut tolérer des choses à sa famille, mais ce qu'on ne tolère pas à des personnes étrangères, c'est-à-dire qui n'est pas de notre famille. Et pourquoi c'est impair? Parce que je ne veux pas avoir à gérer des problèmes que je n'aurais pas à gérer. Je m'explique. S'il y a, par exemple, une personne sur une colocation de trois, je prends un exemple, qui fait le boxon, eh bien, je vais demander à la majorité. Il y aura forcément une majorité. Je veux dire, si la majorité veut que vous dégagiez, vous dégagez. Donc, j'ai toujours une majorité sans avoir à intervenir. J'ai tout marqué sur les murs de mes colocs, tout ci, tout ça. Je vais dire, s'il y a quelqu'un qui est fauteur de troubles, etc., et c'est que ça pose des problèmes aux autres personnes, vous me le dites, il y a forcément une majorité. Donc, boum. Et c'est en ça que c'est bien. Parce que si j'ai 2 et 2, enfin 4 et 4, ou etc., je n'ai pas forcément de majorité. Et je ne veux pas avoir à gérer des problèmes que je n'aurais pas à gérer. D'accord. Voyez-vous ? C'est ça la gestion, en fait, dont on parlait. Acheter, c'est facile. C'est pas compliqué, en fait. On va, c'est simplement les sommes. On a tous acheté un crayon. Il y a des étapes intermédiaires. Mais par contre, gérer. Et gagner de l'argent. Donc, j'espère que ça répond à la question. Alors, on a exploité une colocation en nom propre pour se faire des revenus complémentaires. Est-ce insensé? Ah non, c'est grave une bonne idée, ça. Oh là, ah ouais, grave. Mais après, c'est pénible parce qu'il dit revenu complémentaire. Mais quand la personne va voir qu'il ou elle gagne vachement plus d'argent avec ses colocations, et surtout qu'il ou elle ne va pas être fiscalisé, elle va dire, en fait, est-ce que j'ai encore besoin de mon salaire? Mais après, il y a des gens qui disent, je ne veux pas forcément quitter mon travail parce que j'aime mon travail. Je suis d'accord. Bien sûr. Mais si vous avez le même, vous allez vous poser la question, vous allez dire, telle personne, je suis obligée de lui faire des courbettes ou tout ça. Mais si je veux, j'ai le choix. Donc on y va vachement plus détendu, en fait. Okay. Au travail, c'est pas la même chose. Nadai qui dit, comment arrives-tu à gérer tes colocataires? Quelle est la plus grosse galère que tu as vécue? Alors, comment est-ce que j'arrive à gérer mes colocataires? Alors déjà, c'est comme un marathon.
Le marathon, je ne vais pas me dire demain je fais le marathon de New York. Je vais préparer, donc pendant 80% de mon temps je vais préparer et après 20% je vais aligner. Je vais aligner, je vais être en mode machine. C'est exactement la même chose. C'est du temps de préparation et après ça marche. Et je n'ai rien, je n'ai pas grand chose à gérer parce que j'ai tout ou presque s'autogère. C'est-à-dire que par exemple j'ai des capitaines de coloc. D'accord. Si j'ai un souci, j'ai une personne qui est référente, qui va me dire, bah écoutez, est-ce que vous pouvez faire une visite? J'ai pas pu me déplacer, j'étais en séminaire, bah ouais, sans problème, vous le présentez le truc, ou j'habite là. Et du coup, cette personne-là va vous aider. C'est-à-dire que vous donnez du pouvoir à quelqu'un. C'est-à-dire que vous dites, écoutez, vous êtes capitaine de coloc. En échange, alors moi, c'est pas un échange, c'est-à-dire que j'ai, par exemple, je gagne un, j'aime bien ça, je gagne par exemple un super repas d'appartitude pour son anniversaire. Ben, je vais lui offrir, il n'y a pas de transaction d'argent là. Ouais. Je lui dis, ben, pour votre anniversaire, en échange, c'est ça. Et il ne sait pas, il dit, ouais, donc il va pouvoir inviter sa copine ou peu importe, dans un truc du top. Moi, je suis contente, et lui aussi. Et en échange, il va dire, oui, là, c'est bizarre, on va se calmer un peu, ou les fêtes, c'est fini. Il bosse pour moi, enfin, pas il bosse pour moi, parce qu'il n'est pas rémunéré, mais vous donnez une responsabilité à quelqu'un, voilà. Et du coup, c'est quelqu'un qui va dire. Et après, vous voyez, par exemple, sur les petits trucs, il y a toujours des petits couacs, des petites réparations, des petits trucs. Ah, j'ai cassé ça. Ok. Donc, si les personnes peuvent réparer, on a un deal. C'est-à-dire que moi, j'ai une enveloppe. Alors, ça dépend des colocs, mais peut-être de 200, ben, je veux dire 200 euros, peut-être 300 euros. C'est-à-dire que si ça coûte moins de 200, ils achètent la pièce et ils le montent. Si c'est plus de 200, on fait faire un devis et voilà. Point. Et j'ai pas besoin d'explication. Donc, je ne suis pas, entre guillemets, c'est pas 200 euros de tous les mois, mais si je dis, bah écoutez, voilà, une poignée de porte, est-ce que vous voulez la changer, vous voulez que j'aille, oh ben non, moi je le fais. Bah voilà, vous m'achetez, vous m'envoyez la facture, je ne demande pas ce qu'il a pris. Je ne vais pas dire, oh, oui, vous auriez pu le prendre à moins cher. Mais non, il fait du travail, ça m'a évité soit d'y aller, de perdre du temps, parce que mon temps a plus de valeur, ou soit de faire venir mon entrepreneur que je vais forcément facturer. Et lui, il a choisi, il dit, oh bah chouette, je choisis cette poignée de porte, parce que j'aime bien et tout. Voilà, ouais. C'est tout ça en fait. Mais ça, ce sont des tips, mais j'en ai des centaines de milliers. Ok. Top, on avance. Tony qui dit, on est en formation avec Xavier, on lui envoie des biens à toute heure, l'avantage du décalage horaire. Et on a une formation de qualité, n'hésitez plus. Bah, merci à toi Tony. Tony qui pour le coup n'est pas payé pour dire ça. Mais, Bah ouais, mais bon, t'as des retours clients, c'est génial, c'est essentiel, ce sont des gens qui sont contents, et ils sont contents de suivre une formation, c'est net, c'est clair, c'est petit A, tu fais ça, petit 2, tu fais ça, et après, voilà, on n'est pas en concurrence, on est partenaire, c'est ça le truc, en fait. Ok, alors, sacré tips sur la colocation, ensuite on continue. Justement, le règlement de la coloc, tu présentes en début de location, ça reste au niveau de l'appartement ? Oui, c'est le moment de l'achat en fait. Enfin, de l'achat ou non. Mais après, je me dis, du coup, c'est un détail en fait. C'est un truc, c'est quoi le règlement ? Ok, tac, 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 tac. Est-ce que oui ou non, je vais plus loin. Est-ce que oui ou non, je fais une offre ? Après, peu importe sur... Les gens, de toute façon, les gens sur règlement de copropriété, les locataires faudra expliquer pourquoi, par exemple, vous faites un bail collectif, mais qui ne veut pas dire que les gens sont solidaires entre eux. Ils vont dire, ah oui, mais non, est-ce que vous faites des baux individuels, des baux collectifs? Peu importe, je te montre. Là, c'est un bail individuel, là, c'est un bail collectif. Et point, mais ça ne veut pas dire que vous êtes solidaires. La solidarité, c'est ça, et je ne vous la mets pas. D'accord. C'est juste expliquer aux gens. C'est tout. Voilà. Mais il faut le savoir, plus vous avez de savoir, plus vous allez gagner d'argent. Si vous ne savez pas ça, ben les gens vont partir. Bien sûr. C'est tout. Mais le fait d'avoir un bail collectif ou individuel, vous, si vous êtes obligé de le faire, les gens n'ont pas à intervenir là-dessus. Enfin, vous allez leur expliquer pourquoi vous faites ça, parce que ben, le règlement dit qu'il faut que je fasse ça, mais après, voilà, il y a ça, ça, ça. Ça, je ne vous l'applique pas. Vous voyez, je le mets là, c'est marqué, vous pouvez le décortiquer, et c'est tout. Nickel. Alors, on a Anthony qui dit, ça donne envie de prendre la formation d'Audrey. Alors, Audrey, bien évidemment, vers la fin, tu parleras probablement de ce dont tu peux éventuellement proposer comme formation.
On en parlera et j'ai envie de faire un titre. Alors aujourd'hui, alors moi ça fait plus de. On est en 2020. Ouh là là, ça fait plus de 10 ans que je fais la colocation. Au rendement à succès. Et aujourd'hui, j'ai un gros coup de cœur. Ça faisait deux ans que je travaille sur ce coup de cœur-là. C'est que je fais de la colocation pour les personnes seniors. C'est un truc qui me porte, qui va avec mes valeurs par rapport, peut-être par rapport à mes parents, qui voilà, ma maman a 79 ans, mon papa est un petit peu plus jeune. Et je me dis, est-ce que, si, voilà, c'est de l'humanité et de l'humain. Je me dis, les maisons de retraite, ça coûte une blinde. Les gens, enfin, pardon, ce sont des mouroirs, il n'y a rien. Je me dis, pourquoi ne pas habiter avec ses copines, ses copains? Et parce que le problème numéro un des gens qui sont seniors, dans ceux que je vise et dans les colocations que j'ai depuis 2 ans, seniors, eh bien, c'est la solitude, c'est l'isolement. On n'est pas sur une question d'argent, on est sur une question d'isolement. Et souvent, bah, en l'occurrence, après c'est très bête, mais c'est juste un constat. Les dames, peut-être encore maintenant, vivent un petit peu plus vieilles que les messieurs. Donc il y a plus de dames. Elles ont un petit peu peur, la maison est devenue trop grande, les enfants sont partis à l'autre bout de la France ou peu importe, à l'autre bout du monde, elles sont seules. Et elles me disent, mais j'ai plus envie d'entretenir ma grande maison, je vois par rapport à ma maman, j'arrive plus, j'ai plus l'énergie, j'ai plus la force, j'ai plus envie de voilà. Je dis, je voudrais bien un truc plus petit ou être avec mes sœurs ou mes copines, jouer aux cartes, avoir un truc nickel, être rassurée, et les rôles sont inversés. Et j'aime énormément ça parce que moi, je peux faire de la colocation de luxe en apportant un service comme une maison de retraite, mais un truc de malade mental. C'est ce que je fais et les gens sont super contents. Et là, à l'inverse, les cautions, les gens qui sont garants sont les enfants. Et il n'y a rien de plus serein que de dire, ah, mais ma maman, je sais pas, ma maman en l'occurrence, elle ne répond pas à mon téléphone, je vais appeler sa copine, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ben non, on est allé faire des marches, des choses comme ça. Ah bon, c'est hyper rassurant de savoir que sa maman n'est pas toute seule, n'est pas tombée, peu importe. Et au-delà de ça, les gens sont là, on est sur une colocation par centre d'intérêt. Et c'est génial en fait. Enfin, je suis fan et les gens sont comme ça. Et en plus. Très gros tips, là, Audrey, je pense. Ah ouais, mais ça, c'est un truc que j'en ai jamais parlé, ni sur ma chaîne, ni. C'est juste pour toi, c'est parce que c'est un truc, c'est plus fort que moi, ça. C'est une évidence pour moi. Parce que moi, j'aimerais être plus tard avec mes copines. J'ai pas envie d'être seule en fait. Mais on n'a jamais été aussi seule que depuis qu'on est avec les réseaux sociaux. Enfin, j'ai 150 millions d'amis sur Facebook, tout ça, mais mes vrais amis qui m'ont vu galérer, avec qui je peux pleurer, avec qui je peux dormir toute la nuit, ou je peux être en sortie de soirée, ou des vrais gens qui ne sont pas là parce que je fais des séminaires devant 3000, 5000 personnes, des vrais gens du quotidien, ceux qui me connaissent, qui me suivraient partout, quelle que soit la galère, eux, ce sont les vrais gens, et eux, peut-être que j'ai envie de jouer aux cartes avec elle ou juste de rigoler ou de... Pff, c'est tout simple. Alors, je vais aller un peu plus loin et j'en parlais hier avec le gars qui m'a proposé le lot. Je lui ai dit, l'autre coup, j'ai réfléchi. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait. Faudra peut-être que je le fasse. On est un gros groupe de copines. On était environ 14. Bon, quand même. Et je me suis dit, mais... Puis j'ai regardé toutes les copines, je me suis dit, mais toutes à peu près, voilà, vers 40, 45 ans. Et je me suis dit, mais elles sont toutes divorcées avec des enfants. Okay. Et là, elles sont sur leur troisième vie. C'est-à-dire qu'elles disent, nous, on n'a plus envie d'être avec... Enfin, les messieurs qu'on va rencontrer, on a juste envie d'avoir des bons moments. Les restos, le ciné, on n'a plus envie d'aller leurs chaussettes. Et elles ont dit, mais nous, le truc idéal, ce serait qu'on habite avec nos copines. Pour un temps, mais elles disent, mais on a chacune un étage. On a tout ça, et je me suis dit, tiens, mais c'est pas mal. Donc en fait, sur 14 copines, on n'était que deux en couple. Je me suis dit, oh! Et elles m'ont dit, parce que les enfants vont grandir, la maison va être trop grande, c'est pas évident. Et finalement, on est plus sur les mêmes modes de vie où on restait 100 ans. Enfin, mes parents sont restés depuis tout le temps. Les vies changent, tout ce qui est travail, le travail change. On est devenu jetable. Et je dis, pourquoi la vie est dure
pourquoi ne pas être, avoir, je sais pas, ouais, chacun son étage ou des choses comme ça. C'est pareil pour la coloc senior. La coloc senior, je les ai meublées, les chambres sont avec, où il était possible de mettre les meubles en bois, tu vois, ou avec des souvenirs, avec les cadres des enfants, mais tout nickel, avec du sup. Là, par contre, on est vraiment sur une très haute gamme en termes de mobilier, en termes de finition, et surtout le super top du top du top de la mort qui tue. C'est que, contrairement aux autres colocations où, par exemple, la bonde de la douche, il y a des cheveux, les jeunes, la moitié des gens ne sauront pas comment on nettoie une bonde, ou tout ça, il y a des cheveux qui machinent. Et ben eux, t'as un petit trou, t'as quelqu'un qui dit « Oh, mais non, mais alors ça, c'est pas un problème, je le fais sans problème. » Ils vont pas t'appeler, en fait. Ils ont eu une maison, ils ont eu l'habitude. C'est nickel chrome. Ils ont un respect des choses. C'est exactement ça. Ils ont grandi de la même façon que nous, finalement. Ils ont grandi aussi dans, je ne vais pas dire dans le besoin, mais dans le respect des choses, des lieux, des autres personnes. Exactement. Et ils vont, voilà, il n'y aura pas forcément la vaisselle qui traîne. Ils vont prendre leur bol, ils vont le mettre dans la vaisselle. Mais surtout, là, j'ai fait des colocations thématiques. Et en l'occurrence, j'ai choisi la thématique. Et tu vas voir jusqu'où j'ai poussé le service. Donc, j'ai pris des thématiques de la marche à pied. Donc, je suis allée dans des clubs de rando. Okay. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui ont déjà qui sont ouverts, donc qui ont l'habitude possiblement d'être en groupe. Donc c'est pas les personnes, non, je veux pas. C'est difficile de faire à bouger encore plus sur la colocation senior en France. C'est un marché qui est extrêmement difficile à faire. Outre-Atlantique, notamment, même par exemple en Angleterre, c'est beaucoup plus valorisé. Les seniors sont valorisés. Ici, non. Et encore, il y a senior et senior. À partir de 45 ans, tu es un senior. Là-bas, enfin, bref. Et ici, c'est différent. Et en fait, les personnes vont. Je suis allée les chercher, club de marche. Et après, j'ai négocié avec des. Je suis allée très loin. Et c'est pas fini. Je suis allée négocier, par exemple, avec, par exemple, une entreprise de partage de repas. J'ai dit, OK. Si des fois il y a besoin, vous me faites quoi comme tarif? Parce que vous n'allez pas venir ni pour un ni pour deux, vous allez possiblement venir pour trois. Quels sont les tarifs? Donc ils savent qu'il y aura un tarif spécial pour ça. Il y a même le coiffeur à domicile. La coiffeuse à domicile, elle vient, elle fait des tarifs. J'ai même négocié au mutuel. J'aurais dit, écoutez, voici leur carte de marche. Donc ils payent moins cher. C'est tout ça en fait. Donc, parce que les gens sont, elles aussi sont en bonne santé. Donc c'est à moi qui ai prouvé. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Je vous amène trois contrats. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, tu vois, j'ai négocié pour eux, je me dis, c'est ça en fait. Et c'est tout ça. Et c'est. Et puis ils sont hyper connectés, quoi. Enfin, c'est du truc de fou. Mais je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis, mais. Là, on a des retours. Je vais profiter pour te les partager. Alors, Bouzid qui dit coloc senior, superbe idée. On a Bouzid qui dit une résidence senior, chapeau. C'est pas une résidence, c'est une coloc, parce que j'ai pas les contraintes de la résidence. Je ne suis pas, c'est pas un truc médicalisé, c'est-à-dire que Janine ne va pas s'occuper de Marcel si elle va pas bien. C'est différent. Et il faut les bonbons pour les personnes de 70 ans. Et on a une place en maison de retraite pour une chambre à 20 mètres carrés est à 3 500 € par mois minimum. C'est que des. Et si elle est médicalisée ou non médicalisée, EHPAD, machin, voilà, aussi c'est un petit appart, voilà. Et ben voilà. Et ben du coup, même si moi je mets super cher, mais c'est avant de rentrer dans ce qu'on appelle la débilité, la sénilité. Mais voilà, les gens, on n'est pas sur une question d'argent là. Là, on est clairement sur une question de. Ok. C'est autre chose. C'est génial. Enfin, moi j'adore, je suis fan de ça. Je sais que je suis la première depuis déjà 2 ans. Je sais que je vais. Je sais pas. Les gens après vont tous s'y mettre. Mais... On a Daryl qui dit waouh, superbe idée. Ensuite, c'est pas une idée, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est différent. Déjà en place. Alors, tu pourrais même adopter l'appartement avec des éléments de gérontologie. Si j'ai bien prononcé, tu as des aides pour ça et tu sécurises l'appartement. Tu sécurises l'appartement seul luminescent pour éviter les chutes la nuit. Mais c'est déjà dedans. C'est-à-dire que la salle de bain, par exemple, sur le bac receveur, il n'y a pas de bac receveur. C'est-à-dire que tout est
Tout est dans le même. C'est comme j'ai pris ce que j'allais apprendre des maisons de retraite. J'ai fait des Airbnb aussi au Portugal, des choses comme ça. Comment on peut nettoyer sans qu'il y ait de marche, sans qu'il y ait de choses comme ça. Il y a la barre vers les WC, mais un truc assez design. Après, je pourrais pas forcément vous montrer. J'ai des photos en 3D. Je sais pas si je pourrais vous les montrer. Vous allez dire, oh putain, c'est quoi ce truc? Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas si je pourrais le montrer. Mais c'est tout ça. Bien sûr que ça a été adapté. Les portes, je me suis dit, c'est pas que personne senior. Je me suis dit, c'est personne senior, voire personne handicapée. Donc mes portes, elles sont beaucoup plus grandes. Si la personne a besoin d'avoir un déambulateur ou d'être en fauteuil roulant, peu importe. Donc du coup, les portes sont plus larges. Mais c'est pas grave, c'est de la cloison. Mais ça marche. Donc je peux avoir mon plan B et des personnes handicapées. L'ascenseur, il sera par exemple au palier ou en rez-de-jardin, non pas rez-de-chaussée. Mais j'aurais mis des choses hyper lumineuses, des choses qui dans lesquelles les gens ne vont pas buter. Par exemple, je vais mettre, forcément c'est très bête, mais des spots au plafond ou des beaux luminaires comme ils aiment bien, mais moi j'ai envie de modernité aussi. Mais des trucs, mais hyper pratiques. Enfin, les lumières au-dessus du lit, mais les trucs où il n'y a pas la lumière bleue. Enfin, c'est des trucs qui permettent de lire, de bouquiner, c'est intégré. C'est tout ça en fait. Et j'adore ça, de trouver ces petits trucs, c'est trop bien. Et regarde, enfin après je peux te montrer, je mets pas mal de domotique, enfin après je peux pas te montrer, mais j'ai de la domotique dans mon truc, je pilote ici, ouais. Enfin, vous voyez peut-être pas, je pilote l'entièreté de mon appartement avec mon téléphone, c'est-à-dire que si j'allume, regarde, là ça va s'allumer là-bas, je sais pas si vous avez vu la lumière, donc je fais ça. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je peux vous la. Enfin voilà, tout est. Enfin voilà, là j'ai. Normalement j'ai petit salon ici. Je sais pas si vous voyez si ça s'allume. Ouais, vous voyez peut-être pas forcément. Mais c'est génial. Les gens sont dans leur lit. Tout est pilotable avec le téléphone. Et je l'utilise aussi pour mon camping-car, mais ça c'est encore autre chose. Mais la domotique, c'est génial. Enfin, où la personne elle va faire clap-clap et ça ferme. Ça éteint la lumière. Point. C'est super intéressant. Mais et ça coûte pas une blinde. Moi, mon truc, ce sont des ampoules U. Ouais. Après, je peux vous montrer. Enfin, je sais pas si je vous montre le. Enfin, vous allez. Je sais pas si je vais vous montrer là-bas. Après, ne faites pas attention, c'est le bordel. Attention, je vais allumer. Vous voyez? Ouais. Je sais pas si vous voyez. Et là, j'éteins. Donc, c'est un exemple. Bon, mais. C'est tout ça en fait, et ça coûte rien. C'est juste comment je peux les aider. Vraiment oui. Sympa. On continue. Alors, on a Anthony qui dit c'est énorme, on a Karine qui dit c'est top. Anthony qui me dit Xavier pour ma mère c'est parfait, et ça on va pouvoir en discuter. Alors, Dale qui dit pour les seniors, que tu appelles à des spécialistes afin de bien adapter tes appartements. Accès pour personnes à mobilité réduite, risque de chute, etc. Alors, spécialiste, alors je n'ai pas fait appel à des spécialistes du milieu médical, mais j'ai fait appel, j'ai une de mes collaboratrices, je l'ai recrutée parce qu'elle est architecte. Et donc, je lui ai dit, donc elle me fait des plans, et je lui dis, non, ça va pas, parce que la personne va buter dedans. Parce que ça, parce qu'elle ne pourra pas se mouvoir, parce que si elle ramène son meuble en bois, tout ça. Parce que comment ça se passe dans la salle de bain, dans les WC, si ma maman fait ça, si elle tombe, si elle chute, comment ça se passe? Où sont les interrupteurs? Est-ce qu'ils sont bas? Est-ce qu'ils sont hauts? Voilà, tout ça. Moi, je suis grande. De ce fait, je vois tout gros. Je dis, ok, les personnes sont peut-être un petit peu plus, ok, comment ça se passe, on cherche, comment ça se passe. C'est tout ça, en fait. Mais c'est fascinant. Et c'est génial. Mais oui, effectivement, je pourrais faire appel à des gens, à des kinés ou à des gens qui ont l'habitude d'être avec des personnes qui sont peut-être en fauteuil ou à mobilité réduite, peu importe. Et ouais, c'est génial. Ils vont me donner aussi d'autres trucs. Et ouais, moi, après, sur mon temps libre, ça, c'est un mais pourquoi. J'ai appris la langue des signes parce que je voulais. Enfin, bref, là, on ne parle pas d'argent. Là, on parle de ce que l'argent me permet de faire. Il m'a permis d'acheter du temps et qui me permet de vibrer sur des choses importantes. Et il y a des personnes qui sont, en l'occurrence, la langue des signes, pour des personnes qui sont
sourde et ou slash muette. Et en fait, il y a des personnes, donc, quand la personne sonne à la porte, eh bien, ou qui a le téléphone, ou voilà, parce qu'ils sont beaucoup en FaceTime ou en Skype, eh bien, tu as des lumières qui s'allument. Donc là, tu sais que la lumière rouge, tu sais que t'as quelqu'un à la porte. Mais pourquoi pas? C'est tout ça, en fait. Donc, il y a plein de trucs. C'est la lumière verte, c'est que t'as eu un appel, t'es en train d'avoir un appel. Okay. Voilà. On adapte. C'est génial. C'est plein d'éléments comme ça qui font toute la vie. Mais j'adore ça. Mais j'ai 4 ans, là. C'est Noël, de chercher ce genre de choses. Mais... Oh, j'adore. Ok. On va prendre une dernière question, André. C'est comment exploites-tu tes différents biens en termes de statut fiscal en fonction des différents services que tu proposes? C'est une question qui est assez vaste, quand même. Ouais. Alors, le statut fiscal... C'est-à-dire que, comment dirais-je? Ah oui, j'ai bien donné des exemples. Il faut déjà que vous ayez la vision sur du long terme. C'est pas évident. C'est-à-dire que faut que vous disiez, alors moi j'aime bien dire ça, quand je serai grand, j'aurai 10 immeubles. Ok, on va commencer par un appart, deux apparts, tout ça. Mais il faut déjà que vous pensiez combien je vais gagner, quelle est la vie que je veux, etc. etc. Parce que du coup, ça va vous permettre de driver. Si on achète un petit truc, qu'on gagne 50 euros par mois, ben, au bout d'un moment, vous êtes bloqué par la banque parce que vous ne savez pas gagner assez. Et vous allez immobiliser 50, 60 000 euros juste pour ces 50 euros. Alors, si vous faites du gros cachot, vous allez pouvoir partir après, vous allez grandir en même temps que vos projets. On va vous faire confiance et vous allez gagner en connaissance. Et après, vous allez pouvoir vous diversifier. Et de ce fait, à chaque achat de nouveaux biens, ou avant chaque achat de nouveaux biens, je vous conseille d'aller voir un avocat fiscaliste en disant, ok, j'ai envie d'acheter ça, est-ce que par rapport à ma stratégie que j'ai faite avant, par rapport à ma fiscalité, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'il faut que je change des choses? J'aime bien dire que pour la plupart des gens, j'espère, on a deux jambes. On a une jambe pour passer à l'action et on a une jambe pour adapter la fiscalité. Si on n'a pas les deux, si on n'utilise qu'une, on saute et on va vachement moins loin que si on court avec les deux jambes. Parce qu'à chaque achat, on réfléchit à la fiscalité parce que la fiscalité change à chaque achat et surtout sur ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire que les premiers biens que j'ai acheté, ils étaient pour mes parents, pour leur payer leur maison de retraite. Okay. Direct. Donc c'était pas du tout pour gagner de l'argent. Et après, j'ai fait direct, j'ai fait autre chose. Et après, je me dis, ah, mais là, moi, j'avais pas prévu, il y a 3-4 ans, de quitter mon job, je pensais que j'allais y mourir à la CAF. Et j'ai été formée pour, entre guillemets, mourir à la CAF. J'ai pas le choix, en fait. Voilà. Je me suis dit, je suis de l'immobilier, j'aurais jamais pensé en vivre. Jamais. Je me suis dit, non, mais c'est pour les riches, c'est pour les gens, c'est pour les autres. C'est pas possible, c'est pas pour moi. Moi, il y a personne qui m'a montré. Et je me suis dit, oh, mais si j'ai envie, du coup, ça veut dire que ma fiscalité d'avant, en étant ainsi mes fonctionnaires, ben, du coup, elle est plus bonne. Si j'ai envie, si ça me permet de donner de manger. On n'est plus du tout là-dessus. Si on a des enfants, si on se casse la jambe, si on vieillit en temps. Parce que le temps joue contre nous, sauf dans l'immobilier ou sauf dans le bon vin, où il joue avec nous. C'est-à-dire que ce que vous faites maintenant, les crédits que j'ai fait avant, aujourd'hui, si je ne les avais pas eus, ce serait niet. Ouais. Sans CDI, sans rien, c'est mort. Les banques m'ont dit, non mais vous rigolez, non? Parce qu'avant, j'avais le CDI. Donc, Olivier Seban m'avait dit, tu es millionnaire et tu ne sais même pas. J'ai dit, ah bon? Il me dit, je dis, pourquoi? Il me dit, parce que tu as un CDI, même à 1100 euros. Ah bon? Ben ouais, parce qu'avec ce CDI-là, ça permet d'avoir l'effet de levier. Tu vas à la banque, tu dis, combien pouvez-vous me prêter? Pas combien tu as sur ton compte bancaire. Ouais. C'est combien on peut me prêter? On va te prêter pour t'enrichir. Et c'est en fonction de ce qu'on te prête, on dit, oh, tiens, on vous prête de l'argent, après on s'en fait ce que vous voulez. Ah bon? On t'a pas demandé ce que tu avais sur ton compte. Alors on regarde un peu, mais c'est ta capacité à gérer les choses. C'est combien tu gardes. C'est pas combien. Voilà, moi si je veux demain, même sans CDI, même si je voulais. Alors après j'extrapole, mais vous allez comprendre, même si j'avais toujours un salaire à 1100 euros. Je pourrais acheter un immeuble à 1 million d'euros, peut-être seul, parce que je pourrais mettre les autres en garantie, parce que je sais faire. Et donc, on n'est plus sur la personne, on sera sur le projet. Au début, on est sur la personne. Le banquier va dire, est-ce que vous êtes apte, est-ce que je vous prête de l'argent à vous, la personne, sur ce projet-là? Et après, il va dire, ah, mais c'est le projet. Mais du coup, j'ai déjà fait tout ça, vous me prêtez ou pas? Oui, non. Alors, vous allez, enfin là j'ai extrapolé, mais c'était pour vous montrer qu'après on n'est plus sur une question de personne, on n'est plus sur une question de projet. Et,
Et c'est différent. Et après, on se sent aussi légitime d'aller sur des gros projets. Bon, avant, je dis, oulalalalala, pas ça. Mais après, je me dis, et pourquoi pas? Donc, c'est tout ça, en fait. Et la fiscalité, elle doit être adaptée à votre situation. Je ne sais pas quel âge vous avez. Je ne sais pas si vous êtes en train de monter dans votre activité professionnelle, si vous avez des enfants, si vous en voulez, si vous voulez arrêter, si vous voulez continuer, si vous voulez évoluer, si vous voulez faire de la cuisine, si vous voulez tout arrêter pour vivre au fin fond de la Creuse ou élever des chèvres. Oui, mais ça coûte aussi. On est dans un monde d'argent. On est dans un monde qui n'achète pas tout, mais qui achète quand même pas mal de choses quand même. Et qui permet aussi d'avoir accès à la santé aussi. Parce que vous aurez accès possiblement au meilleur médecin. Vous aurez accès... C'est bête, hein, mais c'est vrai. Donc, enfin, je vais pas dire, mais c'est tout ça en fait. C'est ce que ça permet de faire. Ça vous permet d'acheter du silence. Ça vous permet d'acheter. Moi, dans l'un de mes pourquoi, ça me permet d'acheter un lac. Et ce lac-là, c'est mon premier pourquoi. Ouais. Il est en eau potable et je vais alimenter en eau potable donc le village d'à côté avec de l'électricité, vivre en survivalisme et pour recueillir des animaux. Point. Ça, c'est l'un de mes pourquoi. C'est clairement, voilà, point, c'est tout. Alors, et ça sera bien. On a carrément dit, Audrey, tu parles un langage qui me plaît, tant sur le plan entrepreneurial que vibration. Merci. 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 Bon, écoute, Audrey, ce live a duré 2 heures. Normalement, le live est censé durer 1 heure. Mais oui, mais tu sais bien. Les amis. Je vais vous demander de mettre des likes si ce n'est pas fait, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Bah bien sûr, c'est une évidence. De mettre hashtag BIMR si ce live vous a plu, puisque là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en vous donnant autant de valeurs et autant de tips. Donc, mettez hashtag BIMR si ce live vous a plu. Et en tout cas, Audrey, merci, merci beaucoup pour... Je t'en prie, c'est toujours un plaisir. Parce que voilà, je sais que tu n'as pas été avare du tout, tu as vraiment tout lâché. Je pourrais continuer encore. Hein. Ben, je le là, sais tu m'arrêtes en plein lancement. J'ai à peine à l'apéro. Après, c'est comme dans tout. Je pense qu'on a déjà fait, on a porté notre pierre à l'édifice. Maintenant, d'un côté, s'ils veulent aller plus loin, de se former, de passer par toi ou par moi. Alors, à titre informatif, Masterclass IMO Excellence à Paris le 5 septembre 2020. Donc, on sera une dizaine de personnes. Maintenant, je crois qu'il reste 7 places, quelque chose comme ça. Donc, les amis, si vous souhaitez me voir, moi, et si vous souhaitez qu'Audrey passe vous faire un petit coucou, vous lui dites... Ah ouais, j'ai plein de trucs à faire en plus. Ok. Donc, les amis... Prenez votre place pour participer à cette masterclass. Réservez votre appel stratégique si vous voulez qu'on travaille ensemble sur une stratégie pour vous aider à atteindre vos objectifs, à devenir libre financièrement. Et puis voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Audrey, avant de te quitter? Ça a été vraiment un plaisir. C'est vraiment quelque chose qui est dans mon ADN. Ce que je vous souhaite à tous, c'est vraiment... c'est vraiment le meilleur, c'est surtout de vous faire confiance. Putain, mais au bout d'un moment, merde quoi, c'est bon, lâchez ce qu'ont dit les gens, faites-vous confiance, vous êtes des bonnes personnes. C'est pas, vous n'allez pas, les gens ne vont pas vous abandonner parce que vous faites ça ou vous croyez en vous, vous avez ces petits rêves là, allez-y. Et l'IMO, c'est un truc, au-delà de ça, ça va, je pense, vous aider à vous révéler. Xavier est là, il va vous donner le meilleur de lui. Les gens qui vont aller à la masterclass sont des chanceux. Vous n'imaginez pas. Peut-être que vous avez peur que ça vous change la vie aussi, très certainement. Mais parce que c'est pas évident de gagner. Et on a peur de l'échec, mais on a peur de la réussite aussi. Donc après, ça peut aller très vite si vous l'avez décidé. Et vous avez sincèrement l'un des meilleurs accompagnateurs. Franchement, oui, et clairement, je me ferais un plaisir de vous faire un coucou. Mais par contre, il faudrait que vous ayez du temps parce que là, je vais vous hacker le cerveau et ça va être top. Et ce sera avec plaisir aussi. Et clairement, faites-vous confiance. Au bout d'un moment, c'est maintenant. Vous en avez, enfin, pardon, mais moi, j'en avais marre qu'on décide pour moi. J'en avais marre de faire des cours et j'en pouvais plus, en fait. J'ai été parfaite sur ce qu'on m'a appris, parfaite pour faire plaisir à mes parents, mais ce n'était pas moi, je ne savais pas qui était moi. Mais je savais ce que je ne voulais plus, je ne savais pas ce que je voulais, mais l'immobilier m'a permis d'avoir vraiment le choix.
Tiens, mais sérieux, mais rendez-vous compte de ne plus être obligé de faire 4 heures de route ou de répondre oui à un patron ou à une personne que vous n'aimez pas. Oh, mais quel luxe suprême. Et d'être aux commandes, c'est pas toujours évident, mais on vous montre la feuille de route, on n'a rien inventé. Quoique, on a quand même vachement donné des trucs. Vous imaginez le temps qu'on va vous faire gagner. Ben, c'est un truc de malade. Donc faites-vous confiance. Et clairement, c'est pas un achat, c'est l'investissement. Donc là, on est sur autre chose. Si vous avez compris la nuance, c'est que vous êtes déjà prêt. Donc allez-y, moi je n'ai aucun intérêt à ce que vous ayez, si ce n'est de vous voir avec très grand plaisir à la masterclass de Xavier. Et ce sera, de toute façon, c'est toujours un plaisir de fou. Et parce que j'adore là, c'est je me nourris de ça en fait. C'est tous les mois, on a des masterminds, des masterclass avec les amis, mais c'est avec des gens avec qui on peut parler argent, business, raison. On rigole, on se raconte des conneries. On est normaux, en fait, on parle, je sais pas, une espèce de langage qu'on peut pas parler dans la vraie vie avec les gens, sans passer pour je sais pas quoi. Mais, enfin, sérieux, c'est un truc génial, ça va vous révéler, ça va vous montrer que vous êtes capable de réussir des choses au-delà de ce qu'on attendait de vous. Vous allez vous montrer tout seul que, ouais, mais j'ai quand même acheté ça, ouais, je suis peut-être pas si nulle que ça. Ouais, allez, ça. Et après, on va vous poser les questions, on va dire, mais comment t'as fait? Ouais, mais c'était facile, j'ai fait ça. Bah non, c'est pas facile en fait. Ah bon? Bah pour moi, si. Bah viens, je t'aide. C'est ça en fait. Et sans se la péter, juste en disant allez, viens, je t'aide et tout, on va le faire ensemble et tout, c'est vachement mieux. Là, vous avez un partenaire qui vous tient par la main. Pouah, vous pouvez pas tomber, vous pouvez pas vous casser la figure. Mais ça, c'est inestimable en fait. C'est ça que je voulais vous dire. Audrey, comment on fait pour te retrouver? Comment on fait? Mais je suis très secrète. On peut me retrouver sur l'un de mes blogs, parce que j'en ai plusieurs. L'un de mes blogs, c'est lesrevenusautrement.fr. Je suis très facilement, voilà, vous m'écrivez, c'est moi en fait. Même si j'ai des collaboratrices, je réponds toujours aux gens. Parce que c'est comme une question de respect. Vu qu'ils m'ont écrit, je leur écris. Et c'est moi qui passe du temps. Aussi sur, pareil, sur la chaîne YouTube lesrevenusautrement.fr, où on va parler de colocation. On va parler un petit peu d'entrepreneuriat. Là, j'ai créé aussi d'autres chaînes YouTube où je vais, une autre chaîne, je t'en ai parlé. Je vais faire plus de l'entrepreneuriat. Je vais être sur des vidéos de motivation, des choses vraiment qui me parlent. J'aime beaucoup Will Smith. J'aime beaucoup des personnes avec des mindsets différents qui, parce que la vie n'est pas évidente. Donc, de garder cette motivation, de garder même ces tableaux de visualisation sans être comme ça, mais d'aller, de transformer ses rêves en objectifs. Et, je suis aussi sur d'autres choses, mais vous pouvez me joindre là-bas. Et ce sera avec grand plaisir qu'on pourra parler colocation. Que, bien sûr, j'ai une formation sur la colocation classique. Si vous avez déjà un bien que vous souhaitez mettre en colocation, ben, vous pouvez choisir les modules dont vous avez besoin. Vous pouvez choisir le module 12, 15, le module 42, enfin, pas 42 modules, mais vous pouvez choisir celui qui vous va et après, vous aurez possiblement accès à moi aussi. Et c'est moi qui réponds. Ou alors, après, sur la colocation senior aussi. Comment? Tu es aussi sur Instagram, Audrey? Je suis sur Insta, parce qu'on avait dépassé les 10 000 personnes. Mmh. C'est top. La colocation intéresse. Donc, c'est maintenant, en fait. C'est pas demain. Et tout ce que vous allez faire, ça travaille pour vous en fait. Bien sûr, je suis sur Insta, sur Facebook, sur Pinterest, sur Twitter, même je suis sur TikTok et je suis sur beaucoup d'autres réseaux sociaux. Mais vous pouvez choisir peut-être plus ce qui va vous intéresser, ça va plus être des vidéos sur la coloc sur YouTube. Mais joignez-moi partout sur Facebook, vous tapez soit Audrey Perrin, c'est moi, vous allez me voir comme ça, je suis avec un air mystérieux. Sur ma photo, autrement sur la revue autrement. Et ce sera avec plaisir que je vous aiderai, qu'on pourra discuter. Voilà. Mais il faut que vous soyez prêts. Mais en tout cas, je pense que la meilleure des choses à faire pour vous, si vous voulez vraiment passer, peut-être être de l'autre côté aussi, être à ma place, bien peut-être que ça va déjà être commencer par la masterclass de Xavier. Déjà, c'est un pas énorme. Mais ça y est, c'est parti. C'est un pas après l'autre, en fait. Comme je dis souvent, une fois qu'on a testé, il n'y a pas de retour. Ah ouais. C'est comme le chocolat. Hein. Attends, moi j'ai le carré, je mange toute la bête. C'est Anthony qui sera content.
C'est pour ça. Sauf si c'est du noir à 80%, le machin. Mais c'est, vous savez, c'est le premier gâteau qu'on prend. Ben c'est le, il y a tous ses cousins qui viennent aussi. Et ben c'est la même chose. L'immobilier, on peut pas revenir en arrière. On dit, oh, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Mais sérieux, mais comment j'ai eu des peurs? Mais c'est pas possible. Et après, vous vous rendez compte que vous avez, ben, que vous êtes arrivé, hein, et que vous n'avez pas joué votre vie, que vous n'êtes pas morte. Ah, génial. Nous arrivons à la fin. On a excellent BIMR. Il y a pas mal de personnes qui ont mis l'hashtag BIMR. Si vous ne l'avez pas fait, profitez pour le faire. Je ne savais pas qu'on pouvait aller aussi loin en coloc. Mais encore, c'est qu'une partie. C'est vachement plus pire. Faut pas me lancer la machine. Hein. Ouais, mais ça fait plus de 10 ans que j'en fais. C'est pour ça que les gens sont venus vers les meilleurs. C'est pour ça que Xavier et moi, on travaille ensemble, partenaires complémentaires. On n'est pas concurrents. On est partenaires, on est complémentaires. Et c'est génial. Prenez ce qu'il y a à prendre pour vous. Et c'est avec plaisir. Et là, c'est rien du tout. Il y a coloc, j'ai au moins 7 profils de personnes différentes. J'ai les, enfin, après, je vais pas tout vous énumérer, mais je vibre au coloc. Il y a des choses, il y a énormément de choses. Oh. On a Priscilla qui dit hashtag BIMR. Merci pour ce live, c'était juste excellent. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi pour tout ça. Donc les amis, une fois de plus, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like, hashtag BIMR, partagez ce live, regardez-le de nouveau. Voilà, après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, à part de participer par exemple à la masterclass pour nous rejoindre, et ceux qui bossent déjà avec moi, ben, vous savez, ben, les questions, vous allez pouvoir me les poser en direct. Voilà, merci encore pour ton temps, André. Envoie-moi un peu de soleil de là-bas. Vas-y, viens. Amène du soleil. Amène un peu de fraîcheur, ou des, je sais pas, de l'air marin, de l'air qui sent bon, des mouettes. Enfin, Oui, on va t'envoyer tout ça, t'inquiète pas, André. Des petits bouchons, des plein de trucs. Bon, les amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous dis à très vite. Passe à l'action surtout, parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde. Ciao.